Prends la tu mon frère. J'apprécie à moitié. Gagne, gagne. T'es pas du tout au courant qu'ils sont trois dans les gosses. Chupa, mamacita. Armor. Ouais, 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 bienvenue dans l'épisode 2 avec Nabil. Toujours là, hein. Toujours là. Toujours présent. Bah déjà, on voulait commencer aujourd'hui par remercier tous ceux qui nous ont écoutés pour l'épisode 1. Vous avez été plus de 200. Ça fait plaisir. Franchement, c'est énorme. Nous, on s'était dit, si déjà, il y a 10 personnes qui nous écoutent, ça fait plaisir. Ah, 200 personnes, non, ça fait plaisir, mais... Donnez-nous vos avis, ouais, envoyez-nous vos messages, de ouf. N'ayez pas peur. Parce que même sur YouTube, il y a je sais pas combien là, presque 200 vues, parce qu'en stream, il y a eu à peu près 50, quoi. Et sur YouTube, il n'y a aucun commentaire. Donc allez-y. Participez, n'hésitez pas les gars. Ouais, donnez vos avis sur l'actu, sur ce qu'on a dit, si on a dit de la merde, vous le dites. on en a marre de parler qu'à deux. Venez parler avec nous. S'il vous plaît. Ah, sinon, ouais, lourd, hein. Bah vas-y, on check l'actualité de la semaine. Hein. Voilà, actualité de la semaine, on a eu quoi? Bah l'interview, déjà, il y avait l'interview de Bas. Déjà, énorme, sur Brut. Ouais. Ça, en deux parties. Ah, lourd, hein. Grosse interview, t'as tout checké? En ce moment, non, pas tout, j'ai regardé, mais j'ai un peu avancé, mais ça va, non, je trouve le pas mal. Hein. Il va... En ce moment, il est comme as, tu vois. Genre, j'ai l'impression qu'il parle plus, il est... Ouais. T'as vu, il est plus détente, il est... Il y avait la petite interview en Belgique, là, il y a deux semaines. Ouais, à peu près, avec la revue, là. Et ensuite, là, il y a celle de Brut, je sais pas, tu le vois plus proche, tu vois, des gens, d'habitude, il parle pas trop. Ouais, il a changé un peu, là, depuis quelques temps, tu vois, il est plus ouvert, plus disponible, plus... je sais pas, même Brut, tu vois, je sais pas, quand même, ils ont fait une interview 40 minutes, quoi. Tu vois, c'est... Franchement... Bon, après, l'interview, elle est déjà mythique, quoi. Tu vois, partout, sur Twitter et tout, les gens, ils reprennent des phrases et tout. C'est Booba, ça va vite, ouais. Ouais, c'est clair, hein, ça va trop vite, c'est ouf, hein. Mais après, non, mais voilà, ouais, normal, hein, il est là. Booba ouvert, Booba l'ourson. Voilà, le sacré ourson, là. Non, franchement, moi, j'ai kiffé, hein. Moi, j'ai... Bon, ouais, après, bah, ouais, de base, kiffe, tu vois, mais... Mais franchement, ouais, non, bien, il a dit pas mal de trucs, il a parlé de tous les sujets, voilà. Après... Il a quand même un personnage, tu vois, mais au fond de lui, tu vois, c'est quand même le gars, tu vois, quand tu parles d'écologie, tout ça, tu vois, il fait un peu le mec, mais quand même, tu vois, quand il est avec ses enfants, tout ça, c'est une autre personne, en fait, tu vois, même quand à un moment, il dit, genre que, en fait, il est pas comme les gens le perçoivent, tu vois. Ce qui m'a fait rire, moi, c'est la petite phase sur les crottes de nez. Pour ouais. Mais ils l'ont mis au début, ouais. Ils l'ont mis au début. Ouais. Mais il a raison. Bon, ça ira peut-être pas jusque là parce qu'on n'est pas avec Henry, tu vois. Mais après, ouais, mais le combat dans tous les cas, il est annulé pour l'instant. Il y a pas de news, non. Là. Bah ouais, mais lui, il a dit la date est toujours maintenue au 30. Ah ouais. Ah pour lui, genre c'est toujours maintenu. Il a dit la date est au 30, ça va juste changer de ville, ce sera toujours en Suisse. Ouais, je crois pas. Donc moi perso, ouais. Je donne mon petit pronostic, je crois pas. Il faudra aller jusqu'en Roumanie, frère. Ouais, mais après, personne n'ira, c'est ça le truc. Ça va être le zbeul, ça va être trop, trop bordélique. Oh, les scooters, comme dirait Hakim. C'est comme si de rien n'était. En espérant qu'on l'entende pas, mais... Ouais, il est trop fort, cet enculé. voilà, hein, après, on a eu quoi d'autre comme actu? Petite news, petit sujet fâcheux. Ah oui, le gros sujet Al Capote en feat avec Bilal Hassani. Putain, tu sais que je me rappelle jamais de son nom à lui. Ah, moi, je m'en souviens, ça m'a marqué. Parce qu'en fait, dès le départ. À chaque fois, j'ai sa tête en tête. Et en fait, le nom va pas avec la personne. Ah, non, ouais, bon, après, moi, je pense. C'est dans la continuité, hein, c'est dans son délire, Al Capote. Hein. Non, mais oui, bien sûr. Ouais, non, bien sûr, c'est. D'un côté choquant, mais pas choquant, en fait. Il aime bien tous les trucs immondes. Ouais, c'est ça. Non, mais... Vas-y, arrête. On va avoir des problèmes, déjà, épisode 2. Toutes les dingueries comme ça, ouais, c'est son truc, de toute façon. Ouais, c'est ça. Il avait fait un petit feat avec Philippe Catherine, j'avais vu, moi. Oui, mais... C'est dans un délire vachement spé, tu vois, mais oui, il est comme c'est ça. C'est ça, mais ce son, là, amour ou je sais pas quoi, là, ouais, là, avec ça, tu vois, il a signé son petit bon de sortie, tu vois. Son petit bon de paix. C'est personne ça. Peut l'emmerder, quoi. Là, je voyais sur Twitter, tout le monde disait, ouais, je vois trop, genre, les rageux, genre, qui aiment pas d'habitude d'Al Capote et tout, en mode LGBT et tout. Ouais, voilà. Ils vont plus savoir où donner de la tête. Bah ouais, tu veux dire quoi, maintenant? Le mec, il a fait un feat avec Bilal Hassani, qu'est-ce que tu veux lui faire? Ouais, c'est sûr, ouais. Al Capote est dans cette pute. Ah non, c'est trop sale. C'est trop sale. Mais bon, ouais, j'attends de voir le clip, moi. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Ils l'ont clippé, j'attends de voir le clip, mais c'est...
Et d'ailleurs, j'ai vu que, je crois que c'était le lendemain, il y avait Louvresval, là, il a fait des stories. Il était avec, comment ça s'appelle, Roynock. Ah bon? Ouais, Ah ouais? et après, il y avait Oh putain, ça justement Alka, il était avec Louvresval, tu vois. Donc, il risque d'avoir un feat, un trio, ou je sais pas ce que ça Ah, va c'est être. trop ça, le Roynock, ils l'ont déterré, Ouais, grave, j'ai vu, là, Louvresval, il fait une story en mode Roynock. Après, Ah Alka, il n'en a pas parlé dans sa story, mais il était avec Louvresval. Donc, ouais, c'était déjà, même jour, même endroit. c'était où? C'était en France ou... Ouais, c'était en France, hein, c'était Putain, peut-être, ils je ont sais pas ramené où. le Roynock jusqu'ici, Ben ouais, là. ben, j'ai l'impression que c'était en Il a France. pu prendre l'avion C'est ça, cocaïne. cocaïné. C'était dans son sang, donc du coup, Air c'est passé. cocaïne. Ah non, ok, ouais, bon. Bon, bah, c'était là. De toute façon, on attend ça, on attend le son et le clip. Hein. Ouais, mais grave, mais franchement, j'ai hâte d'entendre le son quand même. Ouais, ça, je pense que le premier jour, ça va cliquer fort. Tout le monde va être à Il fond. a une grosse communauté, Bielassanien, quand même. Ouais, bah ouais, bien Al sûr, ouais, Capote, c'est il sûr. va en profiter, hein, quand Ah, même. ben ouais, c'est clair. Après, le village, je sais pas Et s'il va profiter. inversement, ouais, Je sais pas de trop si ça va marcher dans ouf! Les les mecs deux qui connaissent sens. pas Al Capote, ils vont cliquer sur Al Capote, ils vont être choqués, wesh. S'ils remontent un peu en arrière, ils vont être choqués. Ouais, mais bon, après, je sais pas, si t'as du recul, voilà, c'est un personnage, quoi, tu vois. C'est quand même un Faut personnage. bien Après, tout rigoler. le monde a commencé à déterrer les trucs, tu vois. Ouais, Genre, ça va être ouais, je ça. suis homophobe, Ouais, machin, tu bah vois, j'assume, machin. Tout le monde déjà a commencé à déterrer les trucs, mais. ouais. Bon, on verra. Affaire à suivre. Affaire à suivre, Yannine, tu m'avais dit qu'il y avait Nicki Minaj qui avait fait une petite annonce, c'est ouais. ça? Ouais, grosse annonce aujourd'hui, elle a dit qu'elle arrêtait le rap carrément. Elle arrêtait sa carrière, qu'elle allait se consacrer à sa famille. Ouais, bah, tu sais, on va tout vous dire en off quand il m'a annoncé ça. Et... Il a rigolé. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Non, mais moi j'ai pleuré, hein. J'ai pleuré ce matin. Ce matin, j'avais les larmes aux yeux. C'est pas pour moi, personnellement. Ouais. Il y avait un son que j'ai écouté d'elle, vraiment, c'est avec tu sais, Fat Joe et. Ouais, à l'ancienne, là. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais moi, ça fait longtemps que je Bon, voilà. l'écoute, tu vois. Sinon. Ah, moi, je kiffais de ouf, hein. À l'ancienne, tu vois, mais il y a longtemps, il y a au moins, je sais pas, 7 ans ou quoi, j'écoutais, tu vois, toutes les mixtapes de Future qui sortaient, toutes les mixtapes de Nicki Minaj. Tu vois, ça sortait tous les mois à Ah l'ancienne, tu ouais. vois. Rick Ross, toute cette équipe-là, ils sortaient tous les mois des bails, tu vois. J'écoutais de ouf et franchement, Nicki, elle rappait, tu vois. Moi je Il y avait même reste. des vieux freestyles à l'ancienne. La meuf, elle rappait de ouf. Tu vois, les gens qui sucent Cardi B maintenant, qui disent, ouais, elle est meilleure que Nicki et tout. Mais moi, je suis pas Ouais, d'accord, les parce qu'elle gars. arrive après, c'est tout, Je suis ouais, pas je vois le délire. d'accord. Mais moi je reste sur la vie de Booba, elle est Non, moi, je suis flinguée. pas d'accord avec Booba non plus. Il a dit, il l'a vu sans ses talons, elle est flinguée, laissez-moi tranquille. Non, mais ouais, après, en vrai, De toute franchement, façon, moi, dans tous les cas, c'est pas mon délire, le rap Quinry, tout ça et tout. J'écoute pas trop, mais bon, après, Mais moi, j'ai pleuré, je tiens à dire. J'ai lâché ma larmichette. C'était sa petite touche émotion. C'était la Ah, touche on fera la émotion. chronique émotion aussi. Ouais, d'accord. Faudra tout... Pour l'instant, tout est dans le désordre, mais quand on aura tout mis en chronique, Au bout d'un gros. moment, il y aura un ordre. Vous trouverez. Pour l'instant, il faut chercher un On va faire des pancartes, tout peu. ça, ça va être lourd. Déjà, on a la semaine dernière, on a lancé la chronique quarantaine. Est-ce que Quarantaine, tu as ouais. quelqu'un à mettre en quarantaine Bah, cette semaine? le Fital Capote, Bilal Hassani en J'avoue, quarantaine. en J'ai dit quarantaine. à suivre, mais j'ai pas utilisé le bon terme, ouais, en Utilise le quarantaine. terme, voilà, en Voir comment quarantaine. ça va, ouais, cette maladie va évoluer. Parce que c'est vraiment une maladie. Mais bon. Non, mais après, je sais pas, on verra. On verra. Ça se trouve, ils vont nous ramener Bilal dans le game et il va faire des feats avec tout le monde. Dans 6 mois, il est en feat avec Booba. Moi, tu vois, ce qui me vient en tête quand je pense à lui, tu vois, c'est la reprise qu'il a fait de Aya Nakamura, là. Ah, Je sais pas si c'est je regarde pas. Jaja ou. Ouais, il a fait un clip, c'est Ah, il a fait un horrible. clip Ouais, quand il a même, ouais. fait une dinguerie, ouais. D'accord. Ouais, Ah, franchement, il va je pas à connais pas de 2000, ouf. Ah ouais. Franchement, bon, son truc roi, après, ça passait, hein, je trouve. Hein. Ça passait, ça restait en tête et tout. Non, on peut pas dire qu'il est flingué comme artiste, quoi. Tu vois? Non, moi, je dirais pas ça. Je dirais pas ça. T'es gentil, t'es gentil. Vas-y, on zappe. Vas-y, Actu suivante. Là, c'est quarantaine. Actu passons à suivante. autre chose. MHD, Aya, hein? Ah ouais, j'ai vu ça là, juste avant de venir enregistrer, j'ai vu Petite que percée. ouais, ils étaient en bande-son de la saison 2 de Elite sur Netflix. Ouais, ça fait plaisir, hein? Ouais, bah Non, ouais, franchement, c'est bien. C'est une ça leur série fera internationale. péter leur SACEM un peu. Ouais, c'est clair. En espérant qu'MHD sorte un jour de prison. Ah ouais, Parce que ah ça, ouais. on n'en a pas parlé Tu la vois, on semaine n'en a pas dernière parlé, sur mais les ouais. actus de l'année dernière, mais là, c'est une des plus grosses actus, je crois même. Ah ouais, c'est chaud pour lui, hein, C'est quand même. très très chaud. Hein. Après l'affaire, tu vois, bon. Pourquoi il est L'affaire, elle jugé aussi, c'est une dinguerie, tu est. vois. L'affaire, elle est hard. Donc, ouais, j'entends ça. Moi, j'ai vu son film. Ah, j'ai pas vu, c'est bien? Ouais, c'est un petit film à la cool, Ouais. tu vois.
T'attends pas au... J'ai même pas vu la bande-annonce. T'attends pas au gros film américain, tu vois, c'est un petit film cool, franchement, il passe, ouais, ouais, non, il passe bien, tu vois. C'est, je sais même pas c'est quoi l'histoire. L'histoire, c'est un, ouais, c'est un petit speech classique, c'est un mec en... Enfin, classique, non, mais... C'est un petit mec en... qui est en foyer d'accueil, tu vois. Ouais. Pour jeunes, tu vois, c'est un mineur. Du coup, personne ne sait pourquoi il est en foyer d'accueil, tout le monde le tanne, tu vois, tous les autres jeunes, ils sont méchants avec lui, tu vois. Ouais. Ils font caca dans son lit, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, carrément. Mais ensuite, il y a quoi? En fait, il découvre qu'il a tué son père, puis après, tu vois, le mec, il sait que c'est un gueudin, tu vois. Ouais. Mais en fait, finalement, c'est pas vraiment lui qui a tué son père, c'est son petit frère, il l'a protégé. D'accord. Parce qu'il a défendu sa mère, ah, il a été battu. Ouais, c'est une petite histoire. Une bonne histoire, des petits rebondissements et tout, quoi. Ouais, voilà, ouais, franchement, c'est à la cool, un petit film qui passe bien, tu vois. Ok, ouais, ça va, tu m'as donné envie de regarder. C'est dommage, tu vois, il était bien dans sa carrière, là, il était très bien. Ouais, on revient là-dessus d'ailleurs, mais ouais, il était très bien dans sa carrière. Il était hyper bien, mon gars. Je sais pas, c'était quoi. Il était au max de fou, quoi. Je sais pas, c'était quoi cette dinguerie. Bah souvent, quand t'es bien comme ça, tu sais, t'as envie d'un peu d'adrénaline différente, je sais pas, non clair. Ça doit être ça un peu le truc. Ouais, c'est sûr. Il avait envie de street crédibilité, mais putain. Ouais, puis après, il y en a plein, tu vois, ils aiment bien montrer que genre ils restent au check-out, qu'ils sont proches des gars et tout, tu vois. Montrez pas ça, nous on est encore coincés dedans. Ça, mais ouais, voilà, c'est ça, barrez-vous à Miami comme Booba. Ah ouais, moi tu me faisais kiffer quand j'ai vu que t'avais fait tournée internationale aux States là. Mais ouais, d'où j'ai dit, le mec il est vraiment dans un autre mood. Mais c'est clair, tout le monde fait ça pour ça. Ah mon gars, je sais pas il est à quelle prison, mais quand il a dû arriver aux arrivants, putain sa mère. Pour lui, il y a qui pue la pisse. Ah, il devait être dégoûté. Là, c'est horrible. C'est horrible. Ouais. Surtout quand t'es. Tu vois, c'est pas comme Booba. Ça faisait 2-3 ans. Il savait qu'il allait rester un mois, tu vois. Ouais, ouais. Lui, ça faisait 2-3 ans qu'il était dans le luxe, tu vois. C'est ça. Hein. Ah, bah, difficile, hein, franchement. Putain. Là, la retombée, elle doit faire très mal. Force, hein. J'espère qu'il y a un de ses amis qui va prendre pour lui. Hein. qui se dénonce à sa place. À la 69, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe un peu, non? Il va témoigner contre ses potes, mais ils ont dû s'arranger, non? Franchement, je regarde même plus. Ah ouais? Je kiffe le perso, enfin, moi, je kiffe grave son rap, tu vois. J'écoutais de ouf, ouais, mais après, les bails comme ça, moi... Un badger, mais... un badger américain, avec des mèches de toutes les couleurs, quoi. Il crie, c'est tout. Chacun sa balafre, quoi. Ouais, après, même moi, j'avais kiffé, tu vois, c'est le mec, tu vois, il arrive avec une nouvelle... Un nouveau souffle, quoi. Ah, mais... non, moi, je kiffais, hein, franchement, les premiers trucs, j'écoutais, tu sais, moi, j'écoute beaucoup World Star Hip Hop. Ouais, chaîne qui arrive, genre le Daily Motion américain. Ouais, ouais, je vois. Et franchement, dès que j'ai entendu son premier son, franchement, j'avais kiffé de fou. Quand il a vraiment un bon truc. Bon, là, on est parti dans autre chose. Ouais, ouais, mais bon, fallait qu'on en parle aussi. Fallait qu'on en parle. Parce qu'apparemment, là, il va témoigner contre ses potes. Ouais. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est un arrangement, tu vois. T'as toujours un poteau qui peut prendre pour toi si t'es chérie. C'est sûr. Bah, moi, bon, si un poteau quand il dit... sort, tu le mets bien, tu vois. Ouais, voilà. S'il y a un poteau qui me dit, je te laisse un billet, bah, aux 11, bah, vas-y. C'était arrivé à Jules, d'ailleurs. Ouais. Ouais, 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 il y a eu une affaire comme ça. Jules, il avait été. Ah, là, on part sur les bails de Nabil. Nabil, c'est toujours des petits trucs croustillants comme ça. ça s'est su après, tu vois. C'était... Non, moi, je sais pas. Ouais, bah, après, faut aller chercher ça. Voilà. Ça, c'est. Ouais, Jules, il s'était fait. Jules, il aime bien rouler, tout ça et tout. Ouais, mais... Il roule super vite, tout ça et tout. Donc. Sur l'autoroute, ou je sais plus où il était. Il était en train de. Bah, il roulait à fond, tu vois. Je sais pas, il était à combien exactement. Il devait être à plus de 150, tu vois, une connerie comme ça. Il faisait des appels de. Il était sur la ligne de gauche, il faisait des appels de phare à tout le monde pour qu'il se décale, tu vois. Ouais. Manque de pause, qui arrive devant, c'est quoi? La voiture de devant, c'était la BAC. Ah ouais. Ils se sont pas décalés, mec. Et puis, il s'est fait contrôler. Il était avec un poteau à lui, ils avaient une arme, tout ça, tu vois. Ils étaient chargés, hein, c'est. Ouais. Et puis, son poteau, il a pris pour lui, tu vois. Ah ouais. Jules, il a rien eu, il est ressorti le lendemain. Ah ouais, voilà, d'accord. Tranquille, tu vois. Son poteau, il a tout pris pour lui. Mais après la prison, son poteau il s'est plaint. Ouais. Ah ouais. Ouais, il a dit que Julie l'avait abandonné, tu vois. Après, je sais pas comment ça s'est fini exactement, mais. Ah ouais, relou, t'imagines, tu prends pour quelqu'un. Ouais. Et le mec il te remercie pas. Ouais, j'avoue, s'il te remercie pas, c'est bâtard. Le mec il avait fait une vidéo où il avait dit qu'il avait fait un an de prison pour Jules, on va dire. Enfin voilà quoi. Ouais. Pour Jules et que Jules l'a laissé dans la merde, tu vois. Il l'a bloqué de partout et tout. Ah ouais, quand même. Donc ouais, ouais, c'était vraiment, c'était sérieux quand même. C'était passé sur, c'était sorti sur Kunta Kinte, tu vois, c'est lui qui avait posté la vidéo, tu vois. Ouais, ouais. Mais ouais, du coup, ouais, c'était arrivé à Jules.
J'espère qu'il y a un mec qui va se sacrifier pour MHD, gros. Ouais, ça, c'est pas la même histoire. Parce que... Ouais, pour bah, ouais, apparemment, ouais, pour meurtre, là, c'est un peu plus chaud quand même. Hein. Ouais, très très chaud. C'est une petite dizaine d'années, donc là, ouais, même moi, ouais. Ça s'annonce difficile. Très difficile, hein, c'est clair. J'espère qu'il a pas fait grand chose. Hein. Ben, franchement, je sais pas, apparemment, hein, il est sorti de la voiture. S'il est toujours là, ouais, ouais, ouais. C'est quand même chaud. Son, hein. jugement, il est pas passé, tu vois. Donc, s'il te garde déjà quasiment un an, tu vois, alors que ton jugement il est pas passé, c'est que t'es parti pour une dizaine d'années. C'est mal barré, hein. Franchement, c'est mal barré de fou. Hein. En tout cas, voilà, hein, ouais, c'était l'info pour MHD. Bah, voilà, j'espère qu'il a Netflix dans sa série. Qu'il puisse regarder Elite au moins. Non, je pense que ouais, il doit être bien, mais après bon. En tout cas, voilà, on va zapper le dossier, parce que sinon on va parler des heures. Déjà, ouais, on est passé de MHD à 69. On est parti partout là. Sur Jul. Sur Jul. Sinon, au niveau des clips, des sorties de la semaine, il y a eu quoi? Il y a eu le clip Samat, Kalash Criminel. Ah ouais, alors, t'as pensé quoi? Ça va, tu vois, ça va, c'est énorme, lourd. J'ai bien aimé, moi j'aime bien Samat de base, tu vois. Ouais. J'aime bien son délire, tout ça et tout. J'avais kiffé Réel 4, tu sais, avec Niro et Bakil. Ouais. Même il a été supprimé de partout. Ouais, ouais, grave. Putain, faut aller le chercher sur Dailymotion maintenant, ouais, merde. Grave, ouais. Mais j'aime bien Samat, je veux dire, ouais. Et ouais, franchement, lourd, ça va. Ouais, après, moi perso, je trouve que pour l'instant, il n'a pas encore son identité, tu vois. Samat ? Ouais. Tu vois, là, le son. Bah, en fait, là, si t'enlèves Kalash, le son, personne ne va l'écouter. Ouais, j'avoue, sur Réel 4, c'était Niro qui était, tu vois, pareil, au refrain. J'étais voilà, il y a un son qui s'appelle USA aussi avec. Ouais, avec Fianso, ouais, c'était Réel 5, ça, ouais. Pareil, tu vois. Ouais, si, en fait, pour l'instant, il a pas son truc que t'as envie d'écouter un son juste de lui, tu vois. Ouais, voilà, ouais. Après, faut voir son album. Bah, là, il y a son album qui va sortir. Faut qu'il balance un album direct, faut qu'il balance un mixtape, faut qu'il continue dans les freestyles. Là, il est prêt pour un album avec des gros feats, hein. Bah, après, voilà, c'est ça. S'ils font comme, comment il s'appelle, la Moubarak. Ouais. Tu vois, s'ils font comme Moubarak, voilà, ouais, c'est bon. Les gars, ils ont des Srab, ils sortent 50 feats. Voilà, la semaine dernière, on a parlé de Sazamizi qui préparait comme un 9-3 Empire 2, tu vois. Ouais. Bah là, on a Samat, il fait la même chose, tu vois, un album avec des gros feats, tu vois. Ouais, franchement, je suis pas convaincu. Hein. Mais on verra, franchement, l'album, il va s'appeler comment? Commission Rogatoire, je crois. Ouais. Et ouais, franchement, moi, j'attends l'album. Ouais, mais après, il peut y avoir des putains de sons, mais il faut qu'il trouve son truc à lui, quoi. Ouais, ouais, après tu me dis, ouais, on va pas écouter un solo de lui, ouais, c'est clair. Tu vois? C'est clair, ouais. À moins que, je sais pas, il nous sorte une dinguerie ou quoi, mais pour l'instant, je la vois pas, quoi. Ouais, bon, bah. Moi, ça mate pareil, en quarantaine. En quarantaine, artiste en évolution. Voilà. En plus, il a l'air assez... d'avoir quel âge. Sur le clip, là, j'ai vu, il y avait... en fait, le son, il date. Le son avec Kalash, il date de fou, tu vois, il devait le sortir il y a un bail. Ah ouais. Et en fait, entre-temps, il est allé en prison. Ouais, il est allé en prison pour trafic d'armes. C'est ça, voilà. Ah ouais, lui aussi, un grand bandit, apparemment. Voilà, mais du même s'il est contesté. Ouais, il est contesté. Ouais, quand même, il s'est fait arrêter et tout. Pour trafic d'armes. Ouais, pour trafic d'armes. D'ailleurs, ouais, il est sorti vite pour trafic d'armes. Moi, j'ai cru qu'il était parti pour longtemps. Non, ouais. Mais ouais, il est contesté par. Ouais, j'ai lu sur les commentaires. Ah, parce que je lis beaucoup les commentaires. C'est pour ça que je vous ai demandé de laisser des commentaires. <Voilà. gros. rire> Un peu de lecture, ça fait pas de mal. Avant de dormir, je me la bute. Tous les commentaires, gros. Non, ouais, je lis les commentaires. Il contestait un petit peu. Des gens qui disent. Enfin. Cybervoyou, quoi. Mais bon. Entre guillemets, tu vois. Ouais, mais moi, quand même, s'il s'est fait arrêter pour trafic d'armes. Ouais, voilà, ouais. C'est pas. Bah, j'ai dit. Je suis allé loin dans Cybervoyou, mais. Beaucoup de mecs qui ouais, bon, c'est des mecs qui disent ça en commentaire qu'ils ont, ont 12 ans et ils sont derrière leur ordinateur. Non, non, c'est des mecs véridiques. Je les crois, tous ceux qui commentent sur Kunta Kinte, je vous crois, les gars. Ah, Kunta Kinte, encore, c'est différent. Ah ouais, non, c'est des... Non, c'est pas des petits jeunes, hein, qu'il y a sur la page. Ouais, hein. Je sais. Ah, je regarde, c'est un peu des darons, quand ouais, même. Ouais, quand même, ouais. Après, des fois, il y en a, ils connaissent justement les vrais bails. Des fois, ils sont. Ouais, ils sortent des histoires de quartier, tu vois. Ouais, t'es là, tu lis, tu dis, ah ouais, quand même. Ils sont vraiment sur place, les gars. Ouais, ouais. Ouais, ouais, j'avoue. Mais bon, pour l'instant, voilà, à voir. Mais justement, ce que je voulais dire, c'est que si c'est avéré que vraiment le gars, il est comme ça. Ouais, non, donc, qu'il fasse vraiment un personnage comme ça, tu vois. Qui joue sur ça, à la lacrime un peu, tu vois. D'ailleurs, ouais, avant de rentrer en. Enfin, dès qu'il s'est fait péter, ouais. Tout avait disparu, tu vois, des réseaux.
D'accord. Tous ces sons, moi j'avais cherché. Ouais, parce que d'ailleurs, le feat avec Fianso, il est sur une chaîne. Voilà, sur ouais. Tu vois. Tout avait été supprimé comme si, tu sais. Il reviendra pas. Non, mais comme si la juge, elle allait regarder son. Après, peut-être c'est possible, je suis pas au courant, mais comment ça se passe. Peut-être. Ouais. Comme si elle allait regarder sa chaîne YouTube et dire, oh, putain, tu me bandis, si gros, bah, tu vas prendre. Non, mais si c'est comme la crime, tu vois, après, genre, il voit, le gars, il avait une arme dans le clip et tout. Ouais, voilà, ouais, c'est dinguerie, ouais. On sait jamais, tu vois, je pense que, ouais, peut-être que. Bon, du coup, on parle de GLK, du coup. On parle de la team Fianso, tout ça. Ouais, bon. On part sur. T'as regardé le clip GLK 44%? Non, même pas. Franchement, j'ai pas cliqué dessus. Désolé, j'ai vu hier dans les tendances. Et là, on peut annoncer qu'il est en tendance. Exactement, il est en tendance. Mais j'ai pas cliqué, ouais. Bah, franchement, moi, j'ai regardé plusieurs fois, tu vois. Et. Le son, il est lourd. Mais lui, pareil, tu vois, il a pas sa propre identité, en fait. Tu vois, là, le son, franchement, si tu mets Fianso à la place. C'est exactement pareil. La manière de kicker, tu vois, les mots. Je vois exactement, en fait. Tu vois, c'est comment il appuie sur les mots et tout, franchement. Les mecs, ils te font un truc, tu sais, on va dire, ils te font 99%, tu vois. Il manque le 1% qui... C'est ça, il manque un truc... Où ça tape de où tu reconnais le mec, tu vois. C'est ça. Il manque, je sais pas ce que c'est de l'attitude ou des gimmicks ou un truc. Je sais pas, parce que sa tête quand même, tu la reconnais. La folie, tu vois, sa barbe avec la sans moustache. Non, ouais, tu vois, tu sais, GLK, il traîne un peu partout. Il est dans tous les clips, dans tous les. D'ailleurs, je l'avais vu au concert de RK, il était venu, tu vois. Ouais. Ouais, j'avais kiffé et tout, tu vois. Le mec, mais il y a un truc qui fait que. Pour moi, c'est un. Il manque une dinguerie. Un petit Fianso, en fait. Ouais, voilà, il manque une dinguerie. Il n'y a pas son truc, voilà. Il manque, je sais pas moi. En quarantaine, toi aussi. Non, artiste en évolution, tu vois. Ouais, grave, on va te mettre en Pokémon. On va te mettre. Pas fini, pas voilà. Fini. On va l'appeler, c'est bon, je l'ai. On va les appeler les artistes 99%. Voilà, ils sont là, ils sont prêts, ils sortent des bons sons, tout est. Grave. Et des visuels, tu vois. Avoir une team et des tout. Des visuels léchés, tout ça, tout est propre et tout. Mais il n'y a pas le. Ouais, ça fait pas boum. C'est vrai, c'est pas le pas truc, boum. Genre, tu vas attendre son album, tu vois. Voilà. Il n'y a pas un truc, tu entends le début du son, paf, tu reconnais sa voix, tu vois. Non. Non, 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 voilà. Donc, 99%, GLK. Fais-nous mieux. Bon, après, là, t'es à 44%, on verra. Peut-être déjà 66% la semaine prochaine, ce sera mieux, peut-être, on verra. Déjà, il annonce qu'il n'est pas à 100%. Ouais, déjà, voilà, ça passe. C'est fait quand même. Mais bon, Maître Gims à l'ancienne, même pas à 30%, il était déjà bien au-dessus. Ouais, bah, il ne se base pas sur les mêmes échelles. Ah, c'est ça, c'est pas la même échelle. Une échelle cabine, là, c'est pour ça. Non, il y avait quoi? Il y avait le son de Caris. On parlera une fois de tous les Algériens dans le rap. Ah bah ouais, mais grosse chronique même. Il y en a au moins pour 7-8 heures à peu près. C'est quand il n'y aura pas d'actu. Si un jour il n'y a rien. D'ailleurs, j'ai vu que Bouscapé, ils avaient fait ce qui avait marché cet été. T'as regardé? J'ai regardé la... Le truc de Hamad. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai regardé, ce qui avait marché pour eux cet été, c'était de combler avec des artistes. On vous espionne, les gars. Bien sûr. On vous suit. Nous, on vous suit. On fait la même chose. Ouais, grave, de ouf. Moi, j'ai tout regardé, là. Là, tout à l'heure, il y a eu le truc de OKM, là, de Niska. Bah, à la base, on est fan, donc... Bah, c'est ça, hein. C'est pour ça qu'on fait ça, hein. On se force pas du tout à faire ça. Là, on lance le micro et on part. D'ailleurs, ouais, Bouska Zapping de cette année. Je sais pas si on en a parlé la semaine dernière ou pas. Non, on n'a pas parlé. Je crois qu'on a parlé vite fait quand on s'est vu la dernière fois, mais il n'y avait pas tous les épisodes qui sont sortis. Bouska Zapping, qu'est-ce qu'on a pensé, toi? Un peu trop propre, en fait. Ouais. Tu vois, il y a trop. En fait, ils ont essayé vraiment de séparer les trucs, tu vois. Ils ont mis vachement l'accent sur Thomas et Colombien. Bah, en fait, ouais, c'est ça le truc. C'est que moi, personnellement, de Bouscapé, en fait, je suis un peu déçu, entre guillemets, cette année, tu vois. Parce que moi, j'étais habitué, tu vois, aux interviews avec Fif. Ouais. Juste les dernières années, là, au Bouscasmen, tu vois. Ouais. Genre celle avec la crime. Même les Bouscasmen, tu vois, il y a toujours du contenu, même SCH, tout ouais, ça, tu vois. Les Bouscasmen avec la crime, chaque fois qu'il y en a eu, tu vois, c'était avec Fif et tout. C'était ouais, voilà, tu vois. Et quand il y a Fif, tu vois, c'est vraiment. Moi, j'étais habitué à ça, tu vois. Et là, cette année, bah, tu vois, ils sont restés sur. Bah, il y a eu JDR, tout ça et tout. Et moi, je suis un peu déçu, tu vois. JDR, j'aime bien, mais c'est pas mon. Ah, moi, je kiffe. Ouais, moi, c'est pas mon truc, tu vois. Et moi, il manque Fif, tu vois. Il manque Thomas, questions. Je te kiffe. Même l'autre, comment il s'appelait, là celui qui faisait une carrière avant. Yérim. Il y a eu Yérim. Ouais, il y a eu Yérim, mais il y a. Vite fait. Il y avait un mec avant, j'aimais bien. Je vois pas qui c'est. Simon. Simon, il avait fait des interviews. Il avait fait Caris, tout ça et tout. Franchement, ah ouais. Même les interviews de Simon, tu vois,
dans les Bouskas Zapping, c'était frais, c'était lourd, c'est ça que je kiffais, moi. Mais déjà, le fait qu'il fasse des interviews maintenant, comme faisait avant Rap Elite, sans intervieweur, ouais, je trouve ça flingué, en fait. Ah, sur les hitmakers, là? Ouais. Les trucs, ça, j'aime pas, tu vois. Ouais. Moi, j'aime bien quand il y a l'intervieweur, tu vois. Nous, on veut voir le combat entre Fif et l'artiste. Voilà, et surtout quand c'est Fif. Ouais. Tu vois, mais même, franchement, il pourrait beaucoup plus varier que ça, tu vois. Après, moi, ce que j'ai kiffé, ouais, ce que j'ai dit, j'étais un peu déçu, mais j'ai kiffé les Fif Stories. Ouais, très bon concept. Les Fif Stories, ça me régale. Là, il a dit que ça allait être régulier. Ouais. Après, on verra, tu vois. Franchement, mais... lourd. Ouais, bah, tu vois, ils ont fait l'annonce, justement, ça m'a fait plaisir, parce que je me disais, ouais, je kiffe. Mais ce qui est kiffant, en plus, c'est que quand tu regardes, tu vois, tu te dis, Fif, il aurait pu garder ça et sortir un livre dans 10 piges, tu vois. Ouais. Mais je trouve ça frais qu'il ait fait ça, en fait. Qui aurait lu son livre? Moi. On sait pas lire, nous, frère. Merde. Non, mais j'aurais écouté, c'est la version audio, tu vois. Audible. Non, ouais, bon, non, c'est lourd, les petites Fif Stories. En plus, il a des histoires. Bah voilà, c'est ça qu'on veut, c'est des petites anecdotes. Il a des vraies histoires, voilà, c'est ça. Non, franchement, c'est... Ouais, Bouscapé, bon, ça va. Non, Bouscapé, franchement, il gère, hein, tu vois, même les millions de vues et tout qu'ils font. Moi, en plus, je suis content que cet été, ils ont envoyé des trucs, tu vois. Ouais, genre... Toi, d'habitude, l'été, c'est dead, il n'y a rien. Ils ont envoyé des trucs, tu vois, le zapping, d'habitude, c'est que en décembre. De ouf. Là, ils ont envoyé un truc, c'est peut-être pour ça aussi que le zapping était léger, tu vois. Ouais, bah ouais, moi... Peut-être qu'ils ont gardé les gros trucs pour décembre, je sais pas. Non, je pense que maintenant, ils vont le mettre en été, vu qu'on l'évite, tu vois. Ouais, peut-être, ouais. Mais ouais, Bouscapé, ouais. Ouais, voilà, maintenant, je suis de la team Kersh, maintenant, bordel. J'aime bien ses interviews parce qu'il est là, tu vois. Ah, mais Kersh, ouais. C'est le meilleur, Kersh. Les rappelites, ils sont piquants aussi. Mais ouais. Piquants, entre guillemets, tu vois, ils vont bien chercher dans les... Les moindres détails, même dans les lyrics, t'as dit ce mot. Ouais, mais t'as dit... Là, t'as mis un... Et est-ce que... Pourquoi t'as mis accent aigu? Pourquoi t'as pas mis un circonflexe? Non, ouais, c'est... Ouais, j'aime bien. Bah, du coup, là, je me console avec les interviews de Kersh. Voilà. Ouais, par contre, eux, ils sont pas assez réguliers. Il y a rien. Mais je crois qu'en fait... Dernière interview, j'ai l'impression c'était Chilla. Eux, ils font quand on les appelle, tu vois. J'ai l'impression, hein. Je sais pas. Ouais, il n'y a pas cette maison 10 qui paye des interviews. J'ai bien aimé leur truc sur Aux Ardentes. Tu vois, Aux Ardentes, ils ont réussi à s'infiltrer et après chaque concert, il a réussi à interviewer tout le monde. Ah, moi, perso, j'en avais ras le cul des vidéos des Ardentes. Ouais, mais... Ah, il y en a eu 12 000. Ouais, il y en a eu trop, mais c'était l'actualité de cet été, ouais. Ouais, grave, il n'y avait que ça. Les Ardentes. Mais du coup, ce qui était bien avec eux, c'est qu'il y avait des interviews. Tu vois, il y en a plein, ils ont filmé que le concert et voilà. Il y avait aucun contenu, en fait, tu vois. C'était un résumé du concert, tu vois. Alors que là, il y avait quand même des petites interviews et tout. Je trouve que voilà, ils ont taffé, ils ont dû bien faire le forcing pour dire vas-y, s'il te plaît, au moins deux minutes, on est, frérot. On est venus, frère. Ouais, voilà, on est venus, on a payé. Ils se sont partis. Tu nous connais, nous, on paye nos billets tout seul. Ils se sont partis, ça, en été, frère. Donc, non, franchement, ouais, il y a eu quand même du contenu un peu cet été. Ça fait plaisir. Voilà, on a encore du vague. Je te jure, on lance un sujet, on repart sur autre chose. Moi, je voulais te dire, je t'avais parlé du son de Caris. Qu'est-ce que t'en as pensé, Omega? Ah, Omega. Après, il a essayé de faire un petit son, voilà, qui reste un peu en tête, un petit son, je sais pas, on va dire un peu love, quoi, tu vois. Un peu doux, quoi, un peu en douceur. Mais... Caris, je kiffe, tu vois. Je kiffe Caris de ouf, tu vois. Mais là, son... Moi, je kiffais avant. Ouais. Voilà, tu vois, là, j'allais y venir. Son dernier album, tu vois. J'ai pas kiffé de ouf, tu vois. Et même là, même Omega, tu vois, j'ai pas... Après, à force de l'écouter, Omega, tu vois, ça passe. Franchement, ça passe crème. Ouais, peut-être que je suis resté sur la première écoute, tu vois. Mais... Ouais, Caris, je suis... En fait, il est redescendu dans les 99. Mais tu vois, j'ai kiffé son... le feat avec Al Capote, tu vois. Ouais, Nautilus, là. Ouais, ouais c'est peut-être plus Al Capote que j'ai kiffé sur le feat, mais les deux ensemble, ça... C'était lourd, tu vois. Ouais, grave. Franchement, tu vois, j'aime bien. J'aime bien quand Caris est dans le sale, frère. Ouais, mais c'est ça. Bah, dans Or Noir, c'était que du sale. Ouais, voilà. Franchement, quand tu réécoutes les punchlines et tout, je crois que lui aussi, sa vie, elle va trop bien, tu vois. Ah non, quoique, il y avait le combat avec Booba, tout ça. Ouais, bon, c'est vicieux, ouais, c'est ouais, pas des problèmes, c'est ça. Rien, quoi, c'est rien. Non, Caris fait nous du sale. Hein. Mais quoi, tu vois, enfin, je dis fait nous du sale, mais genre...
Comment il s'appelle son album où il y avait. Tu sais, où il y avait Zone de Transit, tout ça et tout là. Ah, je sais plus, ouais, il était pas mal ça. J'écoutais au taf à l'époque, je me rappelle. Ouais, ouais. Mais il était lourd, c'était un album calme, tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y avait pas mal de son calme. Il était archi lourd, tu vois. Il y avait le bruit. De... Bah, c'était le bruit de mon âme. Ouais, bruit de mon âme. Ouais, voilà, mais j'allais dire qu'il y avait le bruit de mon âme dedans, mais en fait, c'est le nom de l'album, je crois. Je suis pas sûr, mais. Dites-le nous si on dit des conneries. Dites-nous, on n'est pas Mehdi Maizi, nous. Hein. On n'a pas de fiche. On connaît pas tout par cœur. On n'a pas de fiche, on n'a pas de prompteur, gros. On fait tout à la mémoire. Non, ouais, bah, je crois, le bruit de mon âme, j'avais kiffé, mais c'était un album calme, tu vois. Mais après ça. Ouais, après, je sais plus, il y avait quoi Honor Part 2, je crois. J'avais réécouté plus tard, tu vois, et en fait, il y avait des bêtes de son, tu vois. Il y avait des instrus de malade, tu vois. Mais... Je pense qu'on n'a pas, assez accordé de crédit. Peut-être, hein, tu vois, peut-être. D'ailleurs, le dernier album, je sais même plus quand est-ce que je l'ai écouté, tu vois. Donc, bon, on va accorder le bénéfice du doute. Non, parce que, franchement, Caris, ça reste Caris, tu vois. Caris, ça reste Caris, frère, ouais, c'est clair. Mais moi, je te dis, là, Omega, franchement, c'est pas déçu, mais c'est pas non plus ouf, quoi, tu vois. Ça, en plus, il a pas sorti de clip ni rien. Je sais même pas pourquoi il a sorti ça, en fait. Tu vois, il y avait de l'actu, je pense. C'est parce qu'il y avait de l'actu, le combat, ça parlait, tout ouais, ça. Il a sorti un peu, ouais, ouais, c'est ça, peut-être. Hein. Il avait ça en stock. Ah bah, ça, je pense que c'était le bon moment. Enfin, c'était pas, peut-être pas le bon son, mais c'était le bon moment. En tout cas, dès que ça parle de lui, ça rend un son, ça va cliquer, c'est sûr. Ah ouais, c'est sûr, ouais, c'est clair. Mais voilà. Tu m'as parlé d'un Ice Creamy. Ouais. SP qui a changé de nom. Ah ouais ? Ça s'appelle Ice Cream. J'ai pas capté, mais ouais. Voilà, mais moi non plus, j'avais pas capté. C'est juste quand j'ai vu qu'il avait sorti la mixtape, là, il avait marqué comme quoi c'était en fait SP qui a changé de blaze. Ben, j'ai écouté ça ce matin et ça passe, quoi. Franchement, il y a quelques petits sons pas mal. Le premier, je sais plus comment il s'appelle. Premier son, il est bien lourd, tu vois, j'ai mis dans une playlist de côté. Mais après, voilà, c'est un petit truc, tu vois, il a fait une petite mixtape, il y a 7 sons, tu vois. C'est pas, voilà, c'est pas ouf, quoi, tu vois, ça va pas marquer les esprits. Hein. Bah écoute, je ne connaissais pas, voilà. Je vais pas faire le mec. Je te dirais pas d'écouter. Je te le conseillerais pas. Je te conseillerais pas. Non, mais... ouais, ouais. Mais voilà, on verra, voilà, faut voir ce qu'il va faire après, tu vois, là, je sais pas ce qu'il a voulu faire, peut-être une carte de visite pour montrer que, voilà, j'ai changé de blaze. Je sais pas, tu vois, et même les noms des sons, je sais plus, je trouve qu'ils ont des noms claqués, mais... Voilà. Il n'y a pas de packaging, il n'y a pas de... Non, après, la cover, elle est pas mal, tu vois, vu qu'il s'appelle Ice Creamy, il a mis genre une ice cream, tu vois. Ouais. Ah bon, voilà, quoi, c'est putain, facile, quoi. Non, c'est vrai, on va lui accorder sa chance. Non, non, bien sûr, ouais, c'est clair, c'est pour ça que je te dis, je pense qu'il a lancé ça un peu comme une carte de visite, tu vois. Nous, on est difficile. On est super sévère, gros, ouais. Et on va se manger des tartes, c'est sûr. Je préfère le dire dès maintenant, on va se manger des tartes, on va se tromper des milliers de fois. Donc laissez-nous tranquilles. Et on n'a pas parlé du son de Sneezy. Ouais. Sneezy qui a sorti son son non-stop. Écoute, j'ai pas écouté non plus. Ah, les gens, ils vont se dire quoi ? Il a rien écouté, ce bâtard. Alors, en fait, il y en a un qui travaille et un qui travaille pas, c'est pour ça. Ah non, mais non, c'est une dinguerie. Moi, j'écoute, mais à la rigueur, la semaine d'après, là, c'est tout ce qui est sorti cette semaine. J'ai pas eu le temps d'absorber, gros. Non, mais là, c'est la rentrée, de toute façon. On savait qu'il allait y avoir trop de choses, là. Ouais. Là, c'est plus sur le... Ouais, plus sur le rap game. Ouais. Et t'as kiffé, du coup, le son de Sneezy ? Ouais, franchement, lourd. Hein. Franchement, il a sorti quelques extraits, deux, trois extraits, là, je crois, pendant l'été ou quoi. Pas ouf, tu vois, alors que d'habitude, je kiffe de ouf. Et là, il est revenu en mode Sneezy. Ça mérite un clip, ça mérite un petit visuel. Moi j'aime bien ça passe, j'aime bien son délire, tout ouais, ça, son flow, ouais. Franchement, je kiffe bien. Tu sais que je l'avais croisé ? Où ça ? Je l'avais croisé dans le marais. Il avait une kippa ? Non, bâtard. Non, même pas, non, ouais, je me baladais comme ça, tu vois, dans le marais, ouais, je me balade dans le marais, ouais. Toi t'es comme ça, quoi. Et paf, je le vois en face de moi. Putain, moi je pensais qu'il était plus petit que moi, tu vois. Ouais. C'est bizarre comme quoi quand tu rencontres. Quand tu croises. En vrai, c'est différent. Ah ouais, j'ai vu qu'il était plus. Moi, je pensais qu'il était plus petit que moi, tu vois. Je vois le mec, il est plus grand que moi, il est plus stock que moi. Je dis, oh le bâtard. Non, ouais, voilà. Petite anecdote du jour. C'est
Comme la fois où j'ai vu cette gecko en Thaïlande et que le gars de largeur, il faisait deux personnes. tu sais que je l'ai vu moi aussi. Tu l'as vu où? Juste à côté de chez ma mère, dans le 11e. Ah ouais? Ah ouais, je l'ai croisé. Il était dans un Uber, tu vois. Ouais. Et bah, il avait la vitre arrière baissée. Putain, j'ai vu sa tête, mon gars, de près. Je me suis dit, ah ouais. Il fait flipper. Ah, il fait flipper. Ah, grave, hein. Ah. T'as déjà vu son tout premier clip? C'est... Rien à voir. Ça pue à Paris? Ouais, peut-être. Ou il est en berberie. Ouais, à l'ancienne, avec ses petites lunettes, et il fait 12,50 kg. Ah ouais. Ouais, moi, cette gecko, j'avais suivi de ouf. Ouais, moi aussi, à l'ancienne. De toute façon, l'époque néochrome, voilà, unité de feu, frère. C'est ça. J'avais suivi, mais cette gecko, ouais, j'avais... Je sais, c'était quoi son premier son que j'avais kiffé de ouf. Moi, en fait, j'avais découvert sur Patate de Forain, tu vois. Ah oui, non, moi. Et avant, après, je suis remonté sur ce qu'il y avait derrière, enfin, avant et tout. Avant, il y avait un son qui s'appelait À deux pas ou je sais pas quoi. À deux doigts. À deux doigts. Ouais, deux où doigts. Il fait toutes les phases avec À deux doigts. Je m'en souviens, j'avais kiffé celui-là. À l'époque YouTube, frère, il y avait que. Fallait chercher. Allez, ça... il y avait fallait chercher. Ouais. À deux doigts, ouais, franchement, il était ouais, bon. À deux doigts, ouais. C'est vrai, cette gecko, j'avais kiffé de ouf, mais bon, après. Non, mais lui, c'est bien. Il est, dans son délai, il a ouvert un resto. Là, c'est un des personnages, ouais, le petit Phuket. Putain, faudrait qu'on y aille. Ouais, grave, ouais, on peut y aller. Hein. Faudrait qu'on y aille. Bon, y je vais pas te dire qu'on va aller se faire tatouer aussi. Ouais, toi, bon, à la rigueur. Moi, à la rigueur, ouais. Mais ouais, son resto, ouais. Non, mais resto, ouais, pourquoi pas, parce que c'est vraiment des trucs thaï, tu vois. Je crois qu'il a ramené un chef de là-bas, en plus. Ouais, je crois. Ouais, bah, j'ai vu là, un petit peu des photos qu'il met sur Insta et tout. Franchement, il y a des trucs que j'ai mangé en Thaïlande. Il sera plus noté que pareil, sur Bouscapé, quoi. Il sera noté sur... Ouais, sur Tupperware. Le mec est partout. Sur tatou.com. Non, ouais, c'est lourd. Du coup, il y avait quoi? Attends, putain, on a parlé. On a parlé. On parle de Sneezy, bordel. On est parti en Thaïlande. Merde, on arrive à rester focus. C'est pas grave, pour ça que vous allez nous aimer, parce qu'on n'est pas focus comme les autres. Aucun sérieux. Il y avait quoi sinon? Il y avait aussi bah, le clip de AM & Apps. Hein. Ah ouais, voilà, là ça me redonne le sourire. Moi, ça va dans la continuité de ce qu'on a dit la dernière fois. Ouais, lourd le son, tu vois, et tout. Putain, c'est pas Naps qui sort le clip. Ouais, AM qui sort le clip. J'ai mis en commentaire, je veux dire, envoyez le clip de malade. Ouais, de ouf. Qu'est-ce que vous faites? De ouf, c'est AM qui sort le clip. Naps. Il dort encore. Ouais, c'est ça, mais Naps, c'est vrai qu'on dirait qu'il dort en fait. Il veut pas faire de. Il ouais, veut pas continuer. Il veut pas faire d'efforts. Ouais, c'est vrai que même. Mais je crois que cet album, j'ai l'impression qu'il va finir comme. Comment il s'appelle celui-là? Putain. Ah, oh, tu vois, j'ai des trous de mémoire. C'est. Qui? Juste avant, putain, l'album de Naps. Ouais. Ah. Pas le dernier. Le nom, moi j'ai du mal. Hein. Attends, je l'ai en tête. C'est pas Destin, c'est pas. Putain, attends. Destin, c'est Nino, je dis des dingueries. Mais c'est l'autre là, attends. Mais c'est pas grave, c'est pas important, zap. Bref, son avant-dernier album. Ouais. Eh ben, il va finir comme celui-là, son album. Il avait sorti qu'un clip, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il avait un clip dans une voiture là, avec une meuf ou quoi, non? Voilà, quoi il avait sorti qu'un clip, tu vois. Eh ben, cet album, j'ai l'impression qu'il va finir pareil. Et il n'en voit pas de clip. Il a trop de potentiel, mais de ouf, quoi. Ouais, pas exploité. Je pense, je sais pas, peut-être il est. Peut-être il est susceptible, tu vois. Il voit la première semaine, ça n'a pas décollé de ouf, alors qu'il sait qu'il il s'est donné, il a fait 40 sons et tout. Après, il dit, bah, niquez vos mères. Non, je crois qu'il est. Ouais, ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas, je me dis, je sais pas. Naps, faudrait qu'on se cale une discussion ouais, avec toi. L'attitude, ça va pas. Hein. Entre Nabil, là, faut que tu vous. Entre Nabil. On va fusionner, gros. Laisse-moi faire les clips à ta place, sinon. Ouais, grave, mais moi, j'ai le matos, hein, s'il veut faire des clips. J'ai un drone, j'ai tout ce qu'il faut. Viens, je te fais des clips, Naps. Ouais, grave. Je vais m'ambiancer sur tes sons, je vais me filmer, tu vas poster ça. Grave. Parce que ça va pas, là. Il y avait le clip aussi de Rémi. Ah ouais, putain, ouais. Le petit gros. Rémi. Le petit Rémi. Lui aussi, en vrai, il a l'air grand quand même. Ouais, moi j'ai. Rémi, j'aime bien. Je cache pas, j'ai pas regardé le clip aussi encore. Voilà. Ouais, j'ai regardé 10 fois au moins. Ah ouais, t'as kiffé? Ça va, mais. Moi, Rémi, j'aime bien, moi. Pareil, Rémi, j'attends qu'il manque un petit. Tu vois, quand il a fait le son, par contre, que j'avais kiffé avec la meuf, là. Avec Friendzone. Ça me dit rien comme Asta. Ah ouais, ah, il est lourd. Ah, franchement, ça, j'avais kiffé de fou. Il y avait une histoire dans le clip. Il chantait un peu et tout. Tu vois, c'était un autre truc. J'avais kiffé de fou. Ses feats avec Mac Taylor. Bah, tu vois, normal, classique. Ouais, bah ouais, après, le premier son qu'il avait posté, tu sais, quand il avait.
quand il venait de signer chez Def Jam, tu vois. Ouais. Celui-là, j'avais kiffé de ouf. Tu sais, limite, c'est son son de référence, c'est son ouais, classique, ouais. Tu vois. Et ouais, sinon, Rémi, moi, je kiffe. Hein. Après, là, le son, franchement, il est bien, tu vois. C'est... Je sais pas, c'est... En fait, c'est un autre délire, tu vois. C'est, on dirait du jams, en fait. C'est du rap triste. Tu vois, c'est genre du... sur un piano comme ça, tu vois, elle a fait pas mal de sons comme ça sur c'est un piano. Elle a fait la boulette, que tu veux dire. Après, il va faire piano partie 2, la boule. Il va faire dans ma mule. Je suis la mule. C'est une question de physique. Ouais, Rémi, ouais, le petit Rémi. Bah, ouais, normal, tranquille. Hein. Non, mais ouais, bah, il prépare le terrain, quoi. Tu vois, on sait qu'il va balancer un truc. Là, de toute façon, c'est marqué partie 1 sur 2. On verra ouais, voilà, la partie 2, tu vois, là, le son. On sait qu'il va rattaquer, hein. Quoi. Le son, il fait à peine 2 minutes. Pas foufou quoi. Sinon t'as pensé quoi toi de la... Bah, on attaque les gros dos hein, les albums hein. Ah ouais. L'album de Niska, qu'est-ce que t'en as dit? Ah lourd hein, franchement lourd de fou hein. Écoute moi j'ai écouté... Ouais, là j'ai écouté tu vois, j'ai écouté les gros feats. Ouais. J'ai écouté Nino, Huss. Et il y a un troisième aussi. Ouais. Ouais j'ai écouté les gros feats, ça va tu vois. Après... Je suis sur la première écoute tu vois. Je peux pas être trop violent ouais, dans non, la... Non moi j'ai écouté... Je sais pas combien de fois, là. Mais toi, t'es trop chaud, toi, c'est ça le truc. Moi, je me réveille, j'écoute du son, je dors, j'écoute du son. C'est lui qui fait vos disques de platine. Mais de ouf. Franchement, mais moi, c'est maladif, en fait. C'est pour ça qu'il fallait que je fasse un podcast pour en parler, parce que... C'est sa thérapie. Moment, ouais, au bout d'un moment, faut que j'en parle à quelqu'un, tu vois. Il en a marre de parler. Ah, c'est mais ouais, moi, je vais à la salle, j'ai le temps d'écouter au moins un album chaque fois. Donc, ah ouais, je rentre chez moi, quand je cuisine ou quoi, j'écoute du son, je me lave, j'écoute du son. Dans la journée, il y a au moins 2-3 heures où il faut que j'écoute du son. Tu vois, ah, donc, moi, c'est qu'au taf, j'écoute pas de son en fait, c'est ça le truc. J'avoue, mais moi, au taf, j'écoutais du son aussi. Ouais, mais ouais. Je mettais le téléphone. Toi, t'arrives à faire ça, moi, j'arrive pas au taf, faut que je reste focus. Donc. Ouais, c'est pas pareil aussi. Ouais. Donc voilà. Voilà, l'album de Niska, moi, je suis sur la première écoute, j'écoutais les gros feats. Franchement, ça va, hein. C'est du Niska, voilà. Ouais, mais le fait qu'il chante de plus en plus et il y a de l'autotune un peu partout, je trouve que ça passe beaucoup mieux qu'avant, tu vois. Moi, j'ai cherché le gros tube, tu vois. Je cherche un gros tube dans, gros tube dans son si, album. C'est lequel, merde, quoi, tu nous dis? Je sais plus le nom. Je sais pas si... Putain, on a un problème avec les noms. Ouais, ici. Non, moi, avec les noms, j'ai un gros problème. Mais il y a un son, je dirais que j'ai pensé, ça, c'est Club. Ah, mais ah ouais? Si je dis pas le blast, ça sert à rien de parler, là. Mais attends, vas-y, je check, je pense qu'il y a moyen de checker en même temps. C'est pas grave, je vais meubler. Vas-y, c'est bon, je suis sur Monsieur Sale. Donc, c'est Stop, voilà. Stop. Déjà, tellement gang, elle est lourde. Après, il y a Stop qui est avec un petit rythme et tout, qui peut passer en club de fou, quoi. C'est un son club, vas-y, ah ouais. Écoute, de toute façon, moi j'aime bien les sons club, tout ça et tout. Ah non, franchement, Stop, je vous le conseille. Il y a le feat avec Huss l'Enfoiré aussi. Ouais, moi j'ai bien kiffé celui-là. Ah ouais, il a usé le mot moula. De fou. Il a saigné. Ouais, là, il peut plus rien faire qui s'appelle moula après, c'est plus possible quoi. si l'autre c'est si tu sais, mais du Maizy, il fait la question dans rap jeu. Rap jeu. Combien de fois a-t-il dit moula dans sa carrière? Ça va se compter en millions. Quoi, ouais, à un million près. Ah non, il a entre 1 et 2 millions. D'ailleurs, j'avais bien aimé son petit son avec Black M. T'en avais parlé la dernière fois, mais... Ouais, dans l'épisode 0, ouais. Ouais, je me le réécoute en ce moment, tu vois. Ouais, moi aussi, ouais. Et j'ai bien kiffé la danse de Soul King dans le clip. Exactement. Tu vois, Soul King qui nous avait dit, d'ailleurs, dans une interview, vous allez voir, je vais commencer à sortir des petits trucs un peu de danse pour moi. Ah bah là, il se les donnait, tu vois. Ouais. J'ai bien aimé même les costumes Jackson. Et tout. Ouais, c'est ça. Après, le son, c'est comme... C'est PNL qui a lancé un peu pour moi le... Truc funky un peu. Ouais, la vibes, tu vois. Ouais, puis 91 avec, là. Ouais, avec 91 là. Et bah après, ça avait suivi Maître Gims, il avait sorti Miami Vice, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a MMZ, ouais, c'est MMZ, ils avaient sorti aussi un petit son comme ça. Bref, ça... Ouais, il y a une... Cette vibes, elle tourne, tu vois. Faut faire un son comme ça, j'ai l'impression en ce moment. C'est ça. Mais après, il y a... Après, c'est lourd, moi j'aime bien. Ouais, c'est ça. C'est différent. Il y a des gens qui kiffent de fou, hein. Moi, mon cousin... Il est à fond dans la funk, tout ça, tu vois. Ouais. C'est un mec du sud, c'est normal. Même pas. À la base, ouais, mais il est plutôt en Suisse, maintenant. Mais
franchement, je pense qu'il y a vraiment un truc là-dessus. Moi, je kiffe. Moi, franchement, je kiffe. C'est posé, ça, tu vois, c'est du bon son. Donc, ouais, franchement, je kiffe. Et voilà. Sinon, ouais. Voilà, autre chose à dire sur Abandon Niska ? Non, franchement, moi, je trouve qu'il est complet, varié. Ah, ces petites interviews, ouais, j'ai regardé aussi. Ouais. Il a parlé de. Ah oui, l'histoire avec son ex, là. Ouais. Putain, dinguerie, quand même. On n'en avait pas parlé la dernière fois. Ouais, c'est vrai. Bah, du coup, on en reparle là, vite. Ouais, là, c'est le bon moment, là. Bah, il en a parlé dans l'interview, ouais, bon. Interview rappelite avec son ex. Elle a quand même sorti une sextape, quoi. T'avais pas vu ? Non, j'ai pas vu, elle a sorti une sextape. Ah ouais, bah, à la fin, quand elle avait. Pour le terminer. Parce qu'en fait, elle avait son compte Insta, tu vois. Ouais. Ouais, ça, et quand elle a balancé les trucs sur son compte Insta, elle avait pris 60K, tu vois. Ouais, moi, je me suis arrêté à 60K. Trop ouais, c'est toute la France a vu l'histoire, tu vois. Ouais. Et en fait, son compte Insta, il a sauté. Ah ouais. Ouais, bah, tu sais, tu prends 60K d'un coup. En plus, elle a dû se faire signaler, tu sais. Ouais, c'est ça, déjà. Des dingueries, tu vois. Donc, son compte Insta, il a sauté. Et ensuite, elle a balancé une petite sextape de lui et... Bah lui, faisant l'amour avec elle. Ah ouais. Et en mettant son propre son. Sérieux ? Il baisse sur ses sons, Niska, on le sait maintenant. On t'a démasqué, Niska. Non, mais ouais, bah... Ouais, j'ai pas vu ça, d'accord. Histoire de fou, quand même. Mais genre, ils font une... Enfin, genre, je suppose que c'est lui qui a filmé, tu vois. Et ouais, genre, bah ouais. La meuf à la vidéo, quoi. Ils sont en... Ouais, tu veux que je te dise, hein, ils sont en levrette, normal. Et ouais. Ils filment sa meuf. Et la meuf à la vidéo, ouais, d'accord. C'est... Ouais, ouais, Niska, hein. C'est vrai, les gens sont possédés. Non, mais il est dans son délire. Hein. Ouais, non. En fait, c'est là où tu te rends compte. C'est là où tu te rends compte. Il y a plein d'interviews, t'as vu, en Soum Soum, tu vois, ils ont sous-entendu, tu vois, genre Niska, ouais, c'est trop, genre un hej, tu vois. Ouais, genre, ouais. Tu vois, il y a plein d'interviews, tu vois, ils ont dit mais ça. Chaque fois qu'ils parlaient de Niska, genre, ah non, mais en vrai, il est pas du tout comme ça. Ouais, en vrai, genre... tu vois, le gars, il va tout le temps à la mosquée, machin et tout, tu vois. Il y a plein d'interviews, ils ont dit ça. Peut-être, mais moi, en fait, moi, tu sais quoi, je perçois les trucs différemment, tu vois. Je me dis quoi? Je me dis, en fait, dans ses sons, ce qu'il dit, putain, c'est vrai. Ouais, et en fait, du coup... Monsieur ça, sale. C'est quand même... Monsieur est très sale. Monsieur, allez vous laver. C'est monsieur sale, ouais, non, des dingueries, ouais. Ouais, non, mais ouais, là, c'est très sale. Écoute, bah ouais, je souhaite ça à personne, hein, putain, les histoires comme ça qui tombent dessus. Après, lui, il a pris ça à la... Comme il a dit dans l'interview, il a pris ça à la rigolade, même on a vu sur les réseaux, il rigolait. Ouais, ouais, après... D'ailleurs, voilà. Il s'était fait terminer sur Insta, sur Twitter, là. Twitter et tout, ouais, de ouf. Ah, ils m'ont tué de rire. Ah ouais. Ah, ils ont tout fait. Toutes les blagues possibles sur ça, ils les ont fait. Mais... Même là, aujourd'hui, là, quelqu'un a dit lourd l'album de Niska, même s'il a plus d'enfants que d'albums. Ouais, ouais, voilà, genre de blagues. Genre de bonnes, ça me bute, tu vois. Après, si vous avez, franchement, si vous avez des top coms de ouf, envoyez-les. Ah oui, envoyez-nous. Okay. Envoyez-nous qu'on les lise, qu'on en parle, qu'on fait une chronique sur vous, carrément. On fera une élection, le meilleur top com de l'année. Grave, on vous fera gagner un truc. Bon, pour Niska, après, c'est tout. Hein. Franchement, on va passer à Némir. Némir. Tu m'as dit que t'as écouté l'album ? Ouais, je me suis forcé à écouter l'album. Oh merde, il commence fort. Ah ouais, parce que franchement, je sais pas Némir, pourquoi. Némir, c'est de la pop pour moi. Mais déjà, à la base, c'est un rappeur. C'est un rappeur, ouais. Je l'avais découvert. Il fut un temps. Ouais, genre, ouais, à l'ancienne. Moi, je l'avais découvert sur le son Ailleurs avec Dean Burbigo à l'ancienne, tu vois. Ah ouais, non, mais moi, c'est plus vieux que ça. Ouais, mais toi, il vient de Montpellier, non ? Non, Perpignan. Perpignan, ouais, voilà. Ouais, ouais, mais ouais, il y avait une meuf avec qui je sortais, elle m'avait fait écouter parce qu'elle était allée en concert, tu vois. Un concert, il était, je crois, en première partie ou quoi, tu vois. D'accord, ouais. Et déjà, cette fois-là, j'avais pas kiffé du tout. Je me suis dit, c'est quoi cette merde ? Attends. Là, je te jure, la meuf, elle m'avait fait. Pourtant, moi, je kiffe le rap de fou, tu vois. Moi, le son Ailleurs, tu vois. J'avais kiffé de ouf, ouais, la vibe, elle est bien, tu vois, j'aime bien. C'est un petit son calme, tu sais, et tout. Après, ouais, j'avais kiffé plus récemment. Son calme, en fait. Plus récemment, j'avais kiffé le Ça sert, tu vois. Ouais. Là, je me suis dit, là, le mec, il va tout péter. Il va passer à la télé, ça va être le nouveau Stromae, tu vois. Même si c'était un peu trop violent encore, je crois qu'il disait encore quelques petites insultes. Mais là, dans le feat avec Alpha One, là, c'est tout clean. Ouais, non mais... Ah, ça, c'est pour... Ah, ouais, mais ça, c'est pour... En plus, même ouais, le cas, c'est pour la télé, là, tout ça. Là, samedi prochain, il peut aller chez Ruquier, là, avec ah, ça. Ah bah ouais, ouais, de ouf. Là, de ouf, il met sa perruque et c'est bon. Ouais, hein. ses petits skis sont sortis rouges. Non, mais moi, j'aime bien, tu vois. Non, mais après, non, mais tu vois, justement, je me suis forcé à écouter, tu vois. Ouais. Mais ce son-là, tu vois, j'ai écouté plusieurs fois depuis qu'il est sorti, forcément.
Et du coup, franchement, il passe crème. Tu vois. Après, le clip, je suis pas fan du tout. Tu vois, c'est vraiment le truc pour les ados. Mais ça, pour la télé, en fait, comme tu m'as dit. Ça, c'est le clip recette. Tu vois, si t'as un bon son, conseil, tu vois. Conseil marketing. Conseil de management. Si t'as un bon son qui passe bien, y a pas de gros mots de ça, tu fais un clip dedans, tu te déguises en femme. Ouais, c'est bon. T'es paré. C'est bon. Pouf, là, t'es les chaînes. Tous les jours, t'es sur, comment ça s'appelle, la chaîne des clips, là. C'est 17. C'est 17, ouais, voilà. Ah non, mais du coup, ça, franchement, c'est la ce son-là, à force de l'écouter... C'est la recette à la Stromae, tu vois. Ouais, même Lampagne, il avait fait ça, je crois, de se déguiser en oui, femme. Oui, c'est ça, bah oui, même ses pochettes d'album et tout, ouais, c'est sûr. Ça ouvre des portes, apparemment. Bah, Bilal Hassani, il est... Ah bah, il est il a pas refermé la porte. Sa porte est bien ouverte. Il a pas refermé. Aussi, il a exploité le concept à fond, de déguiser en femme. Non, mais voilà... Moi, non, j'aime bien Némir. Voilà, du coup, et ce là... son-là, tu vois, à force de l'écouter, j'ai quand même apprécié ce son-là. Et dans l'album, j'ai quand même mis 2-3 sons en favori, tu vois. T'as été gentil, putain. Mais tout le reste, je pourrais pas le réécouter, tu vois. Non, je te connais, mais... je sais quand t'aimes pas, si t'as mis des sons en favori, ouais, non, c'est que t'as vraiment écouté. Ouais, non, mais ouais, parce qu'il y a des sons, franchement, ils passent crème de fou. Le tout dernier, je sais plus comment il s'appelle. Le tout dernier, franchement, il est lourd au niveau des lyrics et tout. on est vraiment... des vrais trucs, tu vois. On a aucun titre en tête. Ah mais attends, je regarde vite fait, quoi. On va coller des affiches la prochaine fois. Non, la prochaine fois. Bon, laissez-nous un peu de répit, là, c'est l'épisode 2. Voilà, Némir. Donc, je disais, le dernier son qui s'appelle Chant Sacré. Chant Sacré, ouais. Chant Sacré, franchement, il est lourd de fou. Qu'est-ce que j'ai kiffé d'autre? Les feats, moi j'ai pas kiffé. Némir, Nekfeu là. T'as pas aimé? Non. Non, c'est de la merde. Kiksa, c'est de la merde. Esprit Noir là, Rock'n'Roll, j'ai vu, il y avait plein de gens qui ont kiffé sur Twitter. Non, franchement, moi j'ai pas kiffé de fou. Et les autres. Habibi. Lourd? Ah ouais, Habibi, j'ai kiffé de fou. J'écouterai. Et il y en a une autre, mais je sais plus laquelle. Peut-être c'est Loin Devant, peut-être. Ouais, je crois que c'est Loin Devant. Et vous entendez, il commence à pleuvoir, là on est dans la voiture, il fait 50 degrés, on se sacrifie pour vous. Sachez qu'on fait nos... On n'a pas de... Ça va arriver. On n'a pas de maison. Et sachez qu'on fera des... Exactement. On va arriver en vidéo. On va arriver en vidéo, vous allez voir nos sales gueules d'un coup. Peut-être à l'épisode 10. Moi, l'épisode 10, c'est sûr, on est en vidéo. Ouais, l'épisode 10, c'est sûr. Peut-être avant, mais bon, du coup, pour marquer le truc, ça peut être mieux l'épisode 10. Ce sera en hiver, on sera tout blanc. Ouais, grave. Plus bronzé, merde. Grave. Oh, sinon, à peu près, on a fait. Ouais, après, il restait quoi, l'album d'Ospo Puccino? Mais bon, je pense que t'as. J'ai écouté, mais franchement, pareil, c'est pas ma cam de fond. Le premier son, il est lourd de malade, je trouve. Enfin, je peux pas vous dire les titres, hein, je suis désolé. Ospo Puccino, je suis resté sur Opéra Puccino. Premier son, le droit de chanter, voilà. Droit de chanter, non, franchement, il est lourd. Là, il y a des bonnes punches. Après, si, le son avec Kaba et Jean-Jas. Qui est sorti déjà depuis un petit moment, qui s'appelle Société. Je peux pas me les faire, les deux. Ah ouais, sérieux? Ah ouais, ah, bon, non. On parlera d'eux quand ils auront de l'actu, tu vois. On parlera d'eux la prochaine fois, mais moi je kiffe de fou. Je peux pas me les filer. Et il y a eux, Caballero et Jean-Jas, et Pim, c'est Dimé. C'est autre chose, mais. Ah non, mais. Ouais, je dis pas qu'ils sont pareils, hein. Je dis pas qu'ils sont pareils, les deux. Ouais, mais ça a rien à voir. Ah, mais je peux pas me les faire, aucun des deux, putain. Ah ouais. Ah ouais, je sais pas. Mais Pim, c'est Dimé, je me rappelle, au début, quand on commençait à se connaître, on se disait, mais d'où ils sortent? Ils avaient ses pères d'un coup, sans raison, quoi. Ils avaient acheté. Ah le bâtard. Mais c'est vrai, non? Ouais, ils sont sortis de nulle part. Personne ne les connaît, ils ont jamais fait d'interview nulle part. J'ai pas suivi le truc, donc je peux pas porter des. Ouais, c'est ça, c'est des allégations pareilles. En fait, on connaît pas les antécédents des fois. Des fois, les gars, en fait, ils avaient un bail avant, mais. Est-ce que d'après on va commencer à rechercher, on va trouver que le mec, ça fait 20 ans qu'il rappe. Ouais, c'est ça, mais c'est comme. C'est pas les phases préférées des rappeurs, ça. Ouais, grave. Ça fait 10 ans, je suis dans le game. Ça fait 10 ans, je suis dans le game. Mec, première interview. Ah, ça fait à peu près 15 ans, je rappe. Ouais, grave. Il y en a qui disent la vérité, tu vois. Là, j'ai vu l'interview de Aiko qui est sorti. Martin Vacheri. Dans ce cas-là, c'est que moi aussi, ça fait combien? Ça fait 10 ans que je fais des podcasts. Non, mais justement. Sans être enregistré. Aiko, tu vois, il dit la vérité, toi. Il lui dit, ouais, une question, genre, est-ce que tu te considères comme genre, un rappeur ou quoi, tu vois. Et il dit, genre, non, moi, je peux pas me considérer comme un rappeur. Ça fait un an, j'ai commencé à prendre des trucs dans ma chambre, à faire des trucs pour rigoler et tout, tu vois. Des trucs, je me prends pas au sérieux du tout et tout. Je peux pas me comparer à un rappeur que les gars ils font ça depuis 10 piges, ils taffent de fou, tu vois.
Tu vois, donc, il est conscient de ça, tu vois. Ouais, donc, ouais, là, ouais. Voilà, Psartek, Aiko, merci, merci ouais, beaucoup. Ouais, mais c'est ouais, moi je vois dans les interviews ça qui me tue de rire. Mais c'est vrai que souvent, ouais, tu te dis, ouais, le gars, ah ouais, toi tu rappes depuis tant de temps. 15 ans. Tant de temps ouais, tu sais, c'est facile à dire. Tu sais, t'as essayé de faire un son en 2012. T'as essayé de faire un son en 2014, t'as essayé de faire un son en 2017. Ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi, le mec, il va te résumer ça. Ça fait 20 ans que je rappe, moi aussi. Le mec, il va essayer de te résumer ça. Ouais, ça fait 15 ans que je suis dans rap. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vrai qu'ils doivent faire ça. Ah, on fera ça. Des, franchement, putain, on fera des chroniques sur les interviews des rappeurs, les phrases préférées. Ouais, grave. Les mythos préférés. Ouais, non, mais on fera des trucs genre. Des émissions spé. Des reviews de, ouais, des trucs, tu vois. Des émissions spé. On regardera des interviews en live et on critiquera. Ah, sachez que sur les interviews, vous pouvez pas me tester. Ouais, moi, je regardais même les interviews de Sinox. Ouais, c'est vrai. Pour vous dire. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi, je suis sur plus Tonton Marcel. Ouais, mais je regardais aussi. Ah, Sinox, j'ai pas tout vu. Je les mets dans la même catégorie, ouais, Tonton Marcel pareil, et Sinox. Ouais, c'est ça. Alors, c'est dommage pour Tonton Marcel, il aurait pu faire un truc. Hein. Mais de fou. Franchement, incroyable même. Parce que c'est comme, un des mecs qui a pas utilisé son potentiel, tu vois. Mais apparemment, je sais pas si t'as suivi un peu, genre, il y a plein de fois où ses sites ont été sautés, ses chaînes YouTube ont été sautées. Ouais, mais ça, c'est. Enfin, moi. Il y a grave des bâtons dans les roues, en fait, tu vois. Moi, ça, je mets ça un peu sur le. Tu sais, les rappeurs, ils sont souvent frappés par un boycott imaginaire, j'ai l'impression. Hein. Ouais, on boycotte. Ouais, on boycotte. Ouais. Frère, c'est juste que ça, c'est ça juste prend que pas. Tout le monde fait. Non, mais après, c'est que tout le monde est boycotté finalement. Dès que ça commence à prendre un peu, justement. Ouais, mais il n'y a pas réellement de t'as boycott. T'as forcément en des bâtons dans les roues, tu vois. T'as ouais, forcément mais... des gens qui vont te casser les couilles. Moi, je me dis, moi, je me. Enfin, j'ai pas eu de carrière ou quoi, mais je me dis, frère, si ton son il est bon, ça va marcher, frère. Ouais, c'est sûr. Tu vas pas me dire que. Si ça plaît pas aux gens, ça plaît pas aux gens, tu vois. Ouais, ouais. Et j'ai souvent vu le syndrome du boycott, tu sais, boycott imaginaire. Genre, on boycotte, ouais, on boycotte. Mais attends, c'est bon, oui, c'est bon. C'est sens, vrai frère. Que, je sais pas, genre, même Fianso à l'ancienne, il a pas été boycotté. Ça fait, c'est juste que, voilà, c'était pas ouf, quoi. Tu vois, moi, j'écoutais à l'ancienne, tu vois, parce qu'il, quand même, il était partout, tu vois. Il a toujours été partout. C'est pas le moment, il avait pas le visuel, tu vois, c'est tout. Ça correspondait pas au truc. Ah ouais, le boycott imaginaire, moi, c'est le syndrome des maladies des rappeurs. Chroniques. Maladies des rappeurs. Bon, on revient sur l'album d'Oxmo. Du coup, moi j'ai kiffé aussi le son La peau de l'ours. La peau de l'ours avant de l'avoir tué. Non, franchement, bien. Le feat avec Orelsan, ouais, franchement, heureusement qu'il y a Orelsan, sinon personne ne l'aurait écouté. Après, voilà, franchement, en regardant vite fait les titres, là, je me rappelle de Flèche épistolaire, c'est pas mal. Bon, après, voilà, il écrit bien, tu vois, donc c'est bien écrit. Mais pour moi, c'est, je sais pas, c'est trop mou les trucs comme ça, tu vois. Ouais. La dernière elle s'appelle Je reviendrai pas, ben elle revient pas alors. Je sais pas si c'est un truc qu'il a fait exprès, tu vois, en la mettant à la fin pour dire c'est mon dernier album. Oxmo Poutine, encore un mec que je voyais. Lui, mais je l'ai vu par contre, je l'ai vu toute mon enfance. Ah ouais, non, mais il, ouais. Il doit être grand lui aussi, non? Ouais, ouais, lui c'était limite un grand de mon quartier, j'ai l'impression. Je voyais tout le temps dans le 11ème en fait. Ah ouais, mais il y avait une meuf dans le coin quoi. Ouais, je crois, ouais. Et bah tu en fait, tu avec l'équipe Courtrage-Mais, tu vois. Ah ouais, d'accord. Et tu vois, ah ouais. Parce que les Kim Chapiron, ouais. Kim Chapiron, je le vois tout le temps, tu vois. Même ah, si je vais chez ma mère là, je le vois tout le temps, tu vois. Ah, il est toujours là, d'accord. Donc, dans le 11ème, moi, ouais, j'en ai vu du monde, ouais. Ah ouais, t'as vu des grandes stars. T'as côtoyé les. T'as côtoyé les. Non, non, sérieux, bah, tu sais, j'habitais dans un coin pas paradisiaque. Si tu kiffes voir des rappeurs, tu vas dans le 11ème, tu vas en voir. Il y a des rappeurs. Même vers chez toi, là, avant, tu voyais qui, là, quand il s'appelle Malcolm to the World. Tout le temps. Ouais, tu le vois mais de toute façon, j'habitais à côté du Paname. Tu le vois encore? Ah ouais? Ouais, bah ma mère. Ah, en fait, c'était quand t'habitais là-bas. Ouais, hein. Voilà. Mais Malcolm, c'est le mec que j'ai le plus croisé dans ma vie. Ouais, je le croisais souvent. Ouais, bah après, de toute façon, quand on reparlera des rappeurs, je te dirai à chaque fois. Celui-là, j'ai vu. Celui-là, j'ai vu. Non, mais voilà. Donc, voilà, bon, après, on est sur quoi là, Oxmo, donc du coup, ben voilà, franchement. C'est le dernier album non. Non, mais après, tu vois, on peut pas critiquer salement, tu vois, mais moi, c'est pas mon truc, tu vois. Ouais, moi aussi, voilà. C'est trop mou, c'est presque trop bien écrit, en fait, tu vois. C'est que c'est pas pour un public qui. Tu peux pas avoir. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gars qui écoutent Kobalade et qui écoutent Oxmo. Ouais, faut être dans un mood après pour écouter ça. Moi, c'est là, ça, voilà. Moi, là, je suis plus dans un mood des sons qui bougent, tu vois. Ouais, moi aussi, de ouf, tu vois. Sors de l'été, merde.
Ne me faites pas déprimer. Grave, exactement. Continuez les sons comme AM et Naps. Ouais, de ouf. Ouais, je suis plus. On vous parlera de Naps à chaque épisode. D'ailleurs. Ça, c'est décidé. Ça, c'est... On va appeler le podcast Naps. Ouais, Naps Story, on va appeler Naps ça. Le mec, il va rien comprendre, il tombe dessus. Oh putain. Non, voilà, après, on a fait le tour hein, de la semaine. Hein. Non. Quoi ? Il y a la mixtape temps de Zixo. Ça, faut que j'en parle. Ça, je suis obligé d'en parler. Parce dis-moi, que, dis-moi tout. Zixo, dis-moi tout. Je suis depuis le début, depuis son freestyle temps, je pense que ça devait être le 5 ou 6. Et du coup, après, j'attendais toutes les semaines qu'il sorte le nouveau, tout ça. Le freestyle 20 ans, je crois, j'ai dû lui faire au moins 100 000 vues. Je l'écoutais non-stop. Il t'a régalé, partage ta sassé, mon gars. Franchement, lourd de fond. Non, mais franchement, j'aime trop le personnage. C'est un bête de personnage, un bête de rappeur. Il écrit bien. Je trouve qu'il fait grave penser à Booba jeune, tu vois. Ah, c'est ton coup de cœur du moment. Franchement, ouais, je pense. Ouais. Et après, mais sur plein de petits trucs, tu vois, je trouve qu'il met des claques, tu vois, parce que le freestyle 20 ans, tu vois, il l'a filmé pendant c'était la célébration de la Coupe du Monde, tu vois, finale de la Coupe du Monde. Tu vois, il est en plein milieu, il y a tout le monde, il y a le bordel de fou. Ah, c'était et tout, lui tu vois, ouais. Ah, d'accord, ouais, j'avais vu un rappeur faire truc, ouais. Il kick et tout, tu vois. Ouais, d'accord. Franchement, il a fait plein de petits trucs comme ça, tu vois. Il avait fait un truc, il y avait Jules dedans aussi, tu vois. Il parle de Jules aussi à un moment. Qu'est-ce qu'il a fait là, l'intro de son projet, qui est juste une mixtape, tu vois. Donc déjà, c'est bien parce qu'il fait les choses dans l'ordre, tu vois. Ouais. Rien que l'intro, franchement. Tu veux regarder, si vous avez pas vu, regardez le visuel sur YouTube. C'est lourd. Lourd, sale, propre, comme dirait tonton Marcel. Bah, franchement, c'est magnifique, quoi. Tu vois, il a posé un petit truc et au niveau du visuel, comment c'est fait, comment ça passe d'un truc à l'autre, comment ça met le titre de chaque chanson, tu vois. Franchement, c'est très, très lourd. Franchement, tu regarderas. Écoute, à suivre. Vraiment très lourd. Et là, la mixtape, franchement, ça, nickel. C'était les conseils de Toto, ça. Non, mais franchement, la mixtape, le gars, ouais. Parce que c'est un kicker, tu vois, ouais. Tu vois, il kick bien et tout, mais dans la mixtape, il nous a fait des sons avec des vibes différentes et tout. Franchement, on dirait un album, en fait. Ah ouais. Donc, franchement, je lui ai dit tout à l'heure sur Twitter, j'ai dit, on t'attend au tournant pour l'album, là. Parce que franchement, là, la mixtape, elle est lourde. Je sais que je l'ai écouté vite fait, parce que du coup, il y avait tellement de trucs à écouter, j'ai pas eu trop le temps. Et je savais d'avance que j'allais la réécouter après, tu vois. Mais je sais que là, je vais l'écouter toute la semaine facile, tu vois. Ouais, bah. Franchement, c'est... De toute façon, après, les trucs, on parlera pas forcément tout le temps de la première semaine, tu vois. Ouais, pas tout le temps, mais là, parce je voulais en sons, parler, tu vois, parce que moi, personnellement, tu vois, il y a des sons, je les digère, tu sais, une semaine ou deux semaines après. Ouais. Après, je me mets à le kiffer, donc. Ouais, grave. Forcément, il y a des trucs, on en parlera peut-être après, tu vois. Ouais, mais là, je suis obligé, du coup, de parler. Ouais, bah ouais. Il y a un autre truc qui m'est revenu. Je sais pas si tu connais Kel Argo. Non, même pas. Kel Argo, j'avais écouté plusieurs sons qu'ils ont fait. Là, tu vas dans du spé, là. Et ils ont sorti un son qui s'appelle Marabout. On va t'appeler Jackie. Jackie et Michel. Jackie de. Ah, Jackie de. Comment ça s'appelle ? De OKLM, là ? Ouais, c'est lui qui. Ouais, couvre-feu, voilà. Couvre-feu, voilà. Non, franchement, ils ont sorti un son qui s'appelle Marabout. Et il est lourd. Ah ouais ? Franchement, il est trop lourd. Franchement, en fait, ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est avant de commencer le podcast, les trucs que t'as pas écouté, je te fais écouter. Et tu donnes pas ton avis. Et comme ça, après, pendant le podcast, tu pourras donner ton avis. Première vidéo réaction. Ah, si je fais des vidéos réactions, ce sera trop sale, moi. Ouais, grave. Mais on critique trop, mais on vous aime, c'est pour ça. C'est ça, c'est une relation conflictuelle. Ouais. Tu vois. On va s'embrouiller, on fera l'amour après. Ouais, c'est pas grave, voilà, on finira en levrette sur notre propre sang comme Niska, tu vois, j'ai pensé, un jour, si on arrive à faire un petit épisode avec tonton Marcel. Ouais, mais déjà, avec quelqu'un qui est un peu du game, tu vois, ça ferait plaisir d'échanger avec Marcel quelqu'un. Spécialement. Je pense que c'est facile avec lui. Ouais, ouais, enfin, on va pas vendre la peau d'ours, tu sais, comme dire Oxmo. Mais ouais, t'as un petit épisode avec tonton Marcel, il doit en avoir des trucs à raconter, lui. Il doit savoir trop de choses. J'avais vu à l'ancienne, il avait fait une vidéo avec Graia. Graia qui était venu à Paname pour la première fois, ils étaient dans une boutique, ils achetaient des vêtements et tout, je me rappelle. Sais, ouais, franchement, Marcel, il est trop sur les dossiers, mais il est pire qu'avant-gardiste, quoi. Là, il est fort, hein. Moi, je sais, c'est dommage, tu vois, pour lui, c'est vraiment, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est vraiment
il aurait pu faire un truc, tu vois. Ouais, c'est, après, c'est jamais trop tard. Hein. C'est jamais trop tard. Ouais, c'est clair. En fait, il devrait le prendre pour un média, en fait. En fait, je pense que lui, il faut quelqu'un l'encadre, tu vois. Ouais, c'est au ça. Niveau de la structure, tout ça, tout soit encadré. Et lui, il est plus, il a plus qu'à. Il pourrait travailler pour Bouscapé ou quoi, tu vois. Parce que bon, il est chef cuisinier. C'est... Ben ouais, c'est ça. Mais il a un talent ailleurs. Il a un talent ben ailleurs. Oui, bien sûr. Arrête de couper des carottes et des navets. On sait que t'es pas fait pour ça, mec. Mais ouais, on sait que t'es fait pour autre chose. Là, franchement, ouais, je me rappelle. Il faisait les vidéos, même genre, il allait suivre les entraînements de street workout avec MC Jean Gabin, tout ça. Oh, mais il a tout fait. Il a tout fait, le gars. C'est jour de repos, tu sais, il est passé à quoi, lui. C'est ça, de fou, quoi. Quand il a fait des dingueries. Parfois, il descendait à Marseille, tout ça. Quand tu sais que c'est juste un mec lambda, tu vois, qui va avec sa caméra et qui filme, toi, tu te dis quand même. Avec son téléphone, même. C'est vraiment, il kiffe, quoi. Ouais. Il kiffe de fou. C'est dommage, tu vois. J'espère pour lui que c'est pas fini et que. Là, j'ai vu, il a ressorti sur sa chaîne YouTube une vieille vidéo de 2014 de Niro qui venait juste de mettre son son dans Autopsy 4. Ah ouais, ouais. Et il l'avait interviewé. Ouais, il l'avait interviewé. Ouais. J'ai vu ça, j'ai regardé vite fait 5 minutes. Quoi. C'est vraiment... Ouais, il était partout, quoi. Lui aussi, il faut qu'il fasse des stories. C'est lui qui a lancé Swagman. C'est lui, ouais. C'est lui qui l'a filmé dès le départ. Ah ouais, c'est clair. Mais apparemment, Swagman, il l'avait payé pour ça. Ouais, c'est tonton de Marseille, il l'avait dit. C'est un des rares. On a vu la même. Qui ouais, voilà. A donné de la thune. Qui, pour, a, qui a payé. Il lui a donné 1000 E. Il lui a donné. Ouais, je sais plus combien. Si, il a dit. Ouais. Tu viens du monde. Ouais, je me rappelle, moi. Il veut pas nous donner 1000 E, Swagman. Viens, on va te lancer. Swagman, il est en prison. T'as pas vu? Ouais, je sais. Civil Histoire, apparemment, c'est un escroc. Ouais, après, je sais pas, moi j'ai déjà parlé avec lui vite fait sur Insta. Il t'a pas demandé de l'argent. Il a jamais été chelou, tu vois. Ouais, moi, on a jamais vraiment parlé de ouf, tu vois, mais on s'est déjà envoyé des messages, il a répondu et tout, tu vois. Ouais, il a jamais été suspect, tu vois. Affaire à suivre, hein, soit maintenant, voir ce que ça dit. Hein. On sait pas. Il y a beaucoup de monde en prison, on vit une époque formidable. On vit une époque. Mais je te jure, c'est un truc de fou. Ouais, c'est vrai, parce que. Ouais, on vit des dingueries quand même. Booba, il a fait. Des rappeurs qui se font tirer dessus. 98-2018. Des rappeurs qui se font tirer dessus, qui meurent. On a des rappeurs qui meurent. Ça va arriver bientôt en France. On a des rappeurs qui vont prendre perpète. On est dans un. Dans un sale mood. Non, même pas dans un bon mood. Moi, je dirais l'âge d'or. Ça, c'est des dingueries, ça. Ouais, non, mais de toute façon, c'est ça. Hein, ça les mêmes choses qui se sont passées aux States, elles vont se passer ici. Hein. Donc, ouais. Tu vas voir qu'il y en a un qui va se faire tirer dessus pour de vrai, là. Hein. Alors, ouais. On n'a pas parlé d'ailleurs de quand ça a tiré au clip de Booba. Là. Ouais, moi j'ai. Bof. Ouais, bah après, on sait rien sur l'histoire finalement. Quoi. Apparemment, ouais. Mais apparemment, c'est pas des. Je sais pas, mais tout le monde, en fait, moi ce que je me dis, c'est que. L'équipe de Booba, elle était déjà partie, tu vois. Ouais. Les mecs, ils viennent tirer après le truc. Je sais pas, c'est Zarbi, non? Ouais, c'est sûr. Après, il faut du temps, tu vois, le temps que ça se diffuse sur les réseaux, savoir où ils sont exactement et tout. Tu vois, ça me fait penser juste à l'histoire de Lafouine, tu sais, qui avait... Lui aussi, il s'était fait tirer dessus à l'ancienne. Ouais, à l'ancienne, ça avait fait toutes les news BFM et tout. Alors que, tu vois, c'était... Ouais. Bon, là, il y a quand même un mec qui a été blessé, mais bon, je sais pas, moi, c'est... J'ai du mal avec ce genre d'histoire. Ouais, mais c'est juste. Je vous croirai que quand il y aura des morts. Fils de pute. Croirai que quand il y aura des morts. Le pire, c'est que je pense qu'au bout d'un moment, ça va arriver, en fait. Ouais, bah ouais. Tu vois, là, c'est. Parce que, à part Booba, qui est un peu dans des clashs, c'est un peu quand même tout beau, tout rose, le rap en ce moment. Ouais, bah ouais. Tu vois, tout le monde s'aime, tout le monde fait des feats ensemble. Bah, en même temps, on sortait d'une époque où. Il fallait absolument pas parler d'un autre, ouais, pas dire que t'écoutes quelqu'un d'autre. Ouais, grave. Coup, je connais pas. Ah ouais, ça, boucle, tu vois. Putain, ça, c'est pas un épisode qu'on doit faire. C'est relou, ça. C'est pas un épisode qu'on doit faire, c'est une bousca, une bousca semaine. On va demander à Fif de nous faire une bousca semaine. Remettre, il faut qu'il fasse un bousca zapping de tous les rappeurs. Tu connais un tel? Non, je connais pas. T'écoutes quoi comme son en ce moment? J'écoute Jacques Brel. Non, moi j'écoute du rap. Moi je suis à l'ancienne, j'écoute Tupac et Biggie. Ouais, voilà, ouais. Non, mais c'était insupportable. Non, c'est vrai que c'était trop, trop chiant. Chaque fois quand ils posaient la question, t'attendais qu'ils disent qui, tu vois. Mais tu voyais qu'ils mentaient, c'est ça. Mais bien sûr, parce que maintenant ils disent tous, tu vois. Tous ils disent, moi j'écoutais comme tout le monde, hein, Rof, Booba. Voilà, ouais, moi, comme tout le monde, quoi. Ça n'a rien à voir, mais il y avait une phrase de Nino qui m'avait régalé en interview. C'était, il disait quoi? Parce que tu vois, moi j'écoute pas le rap américain. Ouais. Et lui non plus apparemment.
Et il avait dit quoi? Il a dit qu'est-ce que je m'en bats les couilles, je comprends pas ce qu'ils disent, tu vois. Ah, ça m'avait fait plaisir, tu vois. Le mec, il écoute pas de rap américain. Putain, ça m'avait fait plaisir parce qu'ils sont tous là à te sortir des petits. Souvent, quand tu sais, ouais, on parle de rap américain. Ils sortent des noms même. Ouais, ils te sortent des petits rappeurs, tout ouais, ça. Genre, c'est des mecs pointus, tu vois. Ouais, ouais. Ah, putain, quand il me l'a dit ça, ah, il m'a régalé. Il a soulagé toute la frustration que j'avais en moi, tu vois. Ah, ouais, j'avoue, ouais. Ah, après, bah, moi, j'écoute pas trop le rap canari, tu vois, ça dépend en fait. Des fois, j'essaye d'écouter quand même les sorties, tu vois. Surtout quand il n'y a pas de sortie rap français, du coup, j'écoute les sorties canari, tu vois. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai écouté l'album de Post Malone qui est sorti. Mais je sais même pas à quoi il ressemble. Hein. J'avais dû peut-être écouter des sons vite fait sans savoir qui il était, tu vois. Ouais. Je sais pas non plus, tu vois. Et mais franchement, son album. J'ai déjà entendu, tu vois. Il est dingue. Ah ouais? Il y a trop de des sons, tu vois, tu les écoutes. Même le premier son, déjà, pour une fois, j'avais pas envie de zapper, tu vois. Souvent, j'écoute en coup de vent, tu vois. Déjà, premier son, je me suis choqué moi-même. Je me suis dit, putain, j'ai pas envie de zapper, en fait. Ah ouais. Moi, c'était... Bah, ça a rien à voir, enfin, rien à voir, entre guillemets. C'est quand même un mec de France, l'album de DJ Snake. Ouais, t'as kiffé? Ah, j'ai kiffé. Ah, moi, j'ai pas kiffé. J'écoute pas, d'habitude, j'écoute pas les albums de DJ, tu vois. Ouais. Bah là, frère, je me suis fait son album. Tu vois, parce que j'avais vu les interviews, en fait. Je suis tombé sur les interviews, tout ouais, ça et tout. Ouais, des fois, ça donne un peu. J'ai vu le mec, ah ouais, franchement, lourd, vas-y, j'ai écouté son album, et franchement, ouais, lourd de ouf. Ça va, moi, il y a un feat que j'ai kiffé, là, avec Ju, ZHU. Je sais pas c'est lequel, là, comme ça, mais... Je sais plus, peut-être c'est le son Paris, je crois, hein, je sais plus. Ah ouais, mais il est chaud. Ouais, non, après, franchement, il fait pas des j'ai pas réécouté, les... tu vois, faut que je réécoute. Il fait pas des sons pour les Français, ouais. C'est dommage. Hein. Après, il avait dit dans une interview que, au bout d'un moment, il aurait bien aimé faire du rap français, mais personne n'est venu le voir, tu vois. Donc, si le mec il peut faire des quinries maintenant, qu'est-ce qu'il s'en bat les couilles, tu vois. C'est sûr, mais ouais, il reviendra peut-être à un moment sur ça. Hein. Ah, mais ouais, moi j'aimerais bien qu'il nous régale avec un bon petit son avec un français, tu vois. Même mais si c'est un maître Gims ou ça. Ça le porterait trop de fou, quoi. Mais en fait, là, il est déjà au max, tu vois, le mec. Mais ouais, grave, il fait avec qui il veut. S'il fait ça, c'est du caritatif, tu vois. Grave, c'est vraiment donner un coup de main à quelqu'un. Ouais, voilà, mais s'il fait ça avec un français, ouais, ce serait lourd, un petit son, là. Ah, ça nous ferait plaisir. Moi, ça me ferait plaisir de ouf, tu vois. Ah ouais, grave, bah ouais, c'est clair. En fait, enfin, les Français, ils le connaissent, tu vois, tout le monde le connaît, DJ Snake, mais faudrait un son en France ou un bon gros hit, tu vois, ouais, pour bien marquer le truc, tu vois. Ouais, c'est clair. Le mec, il est venu chez lui, il a vaincu aussi, tu vois. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que, ouais, de toute façon, il y a que des Maître Gims ou Booba. Ouais, ou, voilà, une grosse star. Il y a pas grand monde qui pourrait faire ça. Quoique, le mec, il peut le ramener n'importe qui. Ouais, après, ouais, même s'il prend sa mat, ça va faire un son, ça va faire un bon son. Ah, merde, t'es allé trop loin. Non, mais voilà, ouais, franchement, DJ Snake, j'aimerais bien un petit son avec un français, ça me ferait kiffer. Puis voilà, d'autres choses? Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Franchement, une semaine, t'avais un grand cœur, hein, machallah. Ouais, je crois que c'est bon, là. Une heure qu'on parle. On a battu le record, là. On est passé de 50 minutes à 1h12, déjà. 1h12, putain, mais ça va aller où jusqu'où, cette histoire? C'est pas grave. Putain, va falloir... Un jour, on va finir sur des 2h, 3h, il va falloir qu'on fasse des montages. On fera un 24h live, une fois. 24h live, ouais, on va se mettre sur Twitch. Ouais. Ça va arriver un jour. Je le sens bien, tu sais. Ouais, quand on fera des rétrospectives sur, par exemple, les mythos des rappeurs ou quoi, là, tu vas y aller, là. Ouais, grave. On aura bien préparé à l'avance, on écrira un petit peu. Ah, il y a de quoi faire encore. Bon, ben voilà. Hein, voilà, bon, hein. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous êtes encore au moins un ou deux à écouter au bout de 1h12. 1h12, non, il doit y avoir personne. Tu peux dire ce que tu veux. Ouais, mais grave. En tout cas, s'il y a encore quelqu'un qui écoute, n'hésite pas à mettre un commentaire, ouais, vous envoyer un DM. Ouais, grave, si t'écoutes jusqu'à la fin, là, franchement. On voudrait te remercier. Ouais, mais... jusqu'à la fin. Merci beaucoup à toi. T'as déverrouillé un niveau. Grave. merci à toi, merci à vous, si jamais vous êtes plusieurs, on sait jamais, par miracle. Si vous êtes deux, là, c'est incroyable. Rejoignez-vous. Rejoignez-nous. Ouais, venez, on fait un repas. Je vous invite au resto. On fait un resto. Celui qui écoute jusqu'à la fin, viens me voir, je t'invite à manger, gros. Parce que là, t'as perdu 1h12 de ta vie, mon gars. Ouais, franchement, ouais. Mais bon, allez. Bon, voilà, bah, franchement, ouais. Mais si vous êtes encore là, bah, mettez un commentaire. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, surtout.
Sinon, bah voilà, on est partout. Envoyez-nous hein, si vous avez des infos, gros. Ouais, si vous avez des esprits. On est friands. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé les vidéos là, tu sais, de Arouf là, qui se faisait frapper. Ah ouais, moi, ça m'a fait de la peine. Ouais, ça, non, mais ouais, ça fait de la peine, c'est pour ça qu'on n'en a même pas parlé, tu vois. Mais voilà, si vous avez des dossiers un peu, n'hésitez pas à envoyer, on est partout. Voilà. Ouais. Bon, ben, à la semaine prochaine. À la semaine pro, hein, ouais, à la semaine pro, et voilà, hein, tranquille. Hein. Bon, bah, allez. Ciao. Ciao.